Alors, bonsoir tout le monde. Normalement, je dois être audible. Voyons voir. Je vais attendre le retour son. On va baisser un peu la musique. Et on va attendre de voir ce que ça dit dans le live. Qu'est-ce que ça dit dans le live? Attention, attention. Est-ce que pour l'instant c'est bon? Mais oui, c'est la zig de ce bon vieux monsieur Sam. Ah, ils nous entendent. Donc, à partir du moment où ils nous entendent. Nous allons être vous aussi, vous allez être vous aussi audible et vous êtes normalement vous aussi visible. Et je vais arrêter la Voilà. musique. Et voilà, audible, c'est déjà un placement de produit. Très bien, parfait. Très Je vois bien, que le on chat commence. est déjà en forme. Eh bien, nous sommes chez toi, Jérémy, donc je te laisse faire les présentations. Mes hommages, un dab pour commencer. Hop! Alors, bienvenue à tous pour un nouvel C'est épisode de notre vilebrequin. La Consulte. Tiens. Exactement. Idab chez Villebrequin, Ah, il date je suis tout pas le au temps chez courant. Vilebrequin. Bon, il rote Tu et il connais pas pète, très mais on va pas le bien. faire parce qu'on est un peu plus classe. Mais C'est trop 2013. À peine, discrètement. Donc bonjour à tous, vous êtes sur un nouvel épisode de La Consulte. J'accueille aujourd'hui Pauline Maisonas. Comment ça va, Pauline? Ça va et vous? Merci pour Ça va très l'invitation. bien. Merci d'être Bah, tu me fais venu. plaisir, écoute, hein, c'est un plaisir. Nous avons un grand conflit d'intérêts parce qu'on connaît Pauline, on a travaillé avec elle, elle a déjà fait des vidéos avec nous, donc Sur bon, les vaccins. forcément, elle sera pas elle sur les Sur les vaccins. Et vaccins. bien sûr, parce que Pauline, tu n'es pas seulement vidéaste youtubeuse, mais tu es aussi, qu'est-ce que tu Chercheuse. détailles? Et Dis-nous tout. non pas médecin généraliste, pas Non, du tout. non. Docteur, enfin docteur. Donc j'ai un doctorat en immunologie et en virologie à la base. Et maintenant, je fais de la recherche sur les maladies infectieuses de manière générale. Et là, depuis quelques années, c'est très axé vaccin. Et en l'occurrence, en ce moment, vaccin Covid, parce que tout le monde fait plus que ça. C'est à la mode. Il paraît que c'est à la mode, C'est à la oui. Tu mode. faisais quoi avant, du coup? Il y a de l'avenir. Avant, j'étais ingénieure agro. Et ensuite, j'ai fait une thèse sur le système immunitaire du cochon et la réaction du système immunitaire contre le virus de la grippe. Et ensuite, dans le labo où je suis actuellement, j'étais plus sur le VIH. Plus sur la recherche de Mec. vaccins VIH. Que les sujets super chauds, quoi. Ok. Les grands complots internationaux. C'est vraiment Exactement. direct. C'est Direct. tout à fait. Bah, c'est là qu'il y a de C'est l'argent. formidable, hein. Bah oui, Ouais. Donc tu es bien évidemment. placé, tu es notre invité sachante pour aujourd'hui, et nous avons notre invité non sachant, naïf pour ainsi dire, Bertrand. Comment vas-tu, Bertrand? Ah bah ça va très bien, merci. Je suis Ah oui, content quand d'être même, là. Qu'est-ce que juste tu ça, fais? quoi. Bah ouais, c'est Et qui es-tu dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta proposition en termes d'objet? Alors, bon, alors, dans la vie, je travaille dans l'informatique, mais je crois que je suis un peu plus connu pour ma chaîne YouTube qui s'appelle Je m'y repasse, j'explique, qui parle de D'accord. physique Extrêmement sous l'angle. qualitative, il faut bien le dire. Ah, ça Non, va, mais on va dire que. si, non. Il y a de la Ton... qualité. On est là pour brosser, en fait. Non, non, je D'accord. suis désolé, cet épisode sur le LHC, j'aime beaucoup David Louapre, mais elle est Ah meilleure. non. Ah non, non, la sienne est. Non, je ne Ouais, suis pas d'accord. j'ai mis plusieurs semaines à me remettre de la sienne tellement tout était limpide. Enfin bref. ouais, non, je parle de physique et souvent sous l'angle d'histoire des sciences. Donc j'aime bien savoir comment on sait les choses. Et du coup, je parle d'histoire de la physique, mais aussi de temps en temps d'histoire de l'astronomie. Voilà. Parce D'accord. que c'est des choses qui ne m'intéressent pas vraiment tous les jours, mais j'aime bien l'expliquer. Formidable. Et Pauline, tu as une chaîne YouTube, ouais, qui s'appelle Un peu pointu, Qui est, qui est comme un tu peu l'as à. très joliment dit, dans le coma. Mais comme Depuis quelque temps. nous tous, puisque nous Oui, avons bah tous un oui. point commun. Oui. Exactement. Nous avons tous un point Donc. commun qui va probablement faire des petites interludes, comme vous avez l'habitude. Nous sommes tous pourvus d'excroissance génétique de bas niveau. Et il Oui, faut et s'en voilà. occuper. Et le pexage est assez long, il faut dire. Et donc, voilà, quoi. Ça peut Donc, nous occuper. ça Donc nous occupe. à tout moment, on peut s'écarter pour s'occuper de l'excroissance. Donc méfiez-vous. Hein, Ouais, c'est laissez-moi le live des darons et des daronnes, quand même. niquez-vous. Ah, bah Exactement. là, Exactement. on peut dire qu'on a une MILF avec nous. Un daronisme. Merci. Mais enfin, François, Je mets un putain. troisième pouce rouge. Oh là là. On est parti sur des bases dégueulasses. Allez, c'est pas bon. On n'a jamais dit Pour que j'étais l'appel, je nul. vais croquer des trucs qui font du bruit. Voilà. Ah, bah, formidable. Parfait, Bon, bah, merveilleux. impeccable. Sur cette base de présentation, c'est très bien. Donc, Bertrand, quelle est ta connaissance du sujet sur les vaccins, pour que les gens comprennent bien? Alors, de manière générale, un peu comme tout le monde. J'ai mon carnet de santé qui est à jour. Voilà. Voilà, je me souviens un peu de mes cours de SVT du lycée.
Et puis, c'est vrai que ça fait plusieurs mois quand même que je m'informe sur un peu tout ce qui concerne l'épidémie. Mais c'est tout. Voilà, donc, un peu comme tout le monde. Ok, d'accord. Ben, c'est parfait. Donc, vous comprenez bien, et je le répète parce que j'ai eu des commentaires la dernière fois en m'expliquant que oui, alors les gens pas experts, ils n'y connaissent rien. C'est fait exprès. C'est normal. Attendez-vous à ça. Hein, les mecs n'y connaissent pas grand-chose. Ils sont justement là pour faire le relais, pour poser des questions simples. Parce que des fois, on peut partir vénère. Et on va partir vénère, là, déjà, pour commencer. Donc, tu travailles dans un labo qui fabrique des vaccins, Pauline, hein, notamment sur le Covid-19. Comment on fabrique un vaccin pour... Allez, hop, vous avez 4 heures. Non, mais parce que là, en plus, c'est venu de rien, quoi. Enfin, c'est-à-dire, le Covid, on le découvre à ce moment-là. Hein, il n'existait pas en 2011. Donc, comment tu t'arrives et tu dis, j'ai un virus, là, un vaccin, frère. Alors, technique maintenant, parce que ça fait quand même des plombes qu'on fabrique des vaccins de plein de types différents. Donc, tu as la façon basique, c'est tu prends ton virus et d'une manière ou d'une autre, tu le shootes. Donc, soit tu le tues, tu l'inactives par la chaleur, par un produit chimique qui va le rendre incapable d'infecter. Ça, c'est le vaccin le plus basique, classique, historiquement, les premiers qu'on a fait. D'accord. Et ça fait que tu injectes aux gens le virus entier, mais il est incapable de les rendre malades. Mais par contre, le système immunitaire a le temps d'apprendre à se défendre contre ce faux virus. Et voilà, il se défendra bien contre le vrai. Ça, historiquement, on l'a souvent fait, mais alors, tu peux soit le tuer complètement, soit juste l'atténuer. D'accord. Ça ne marche pas pour tous les pathogènes, pour plusieurs raisons. Parce que des fois, il y en a qui mutent, par exemple. Donc, typiquement, le VIH, on n'arrivera jamais à faire un vaccin comme ça. Si ça mute trop, ben, du coup, t'as beau figer un virus, en fait, tous les autres vont être différents. Pour la grippe aussi, ça ne marchera pas. Et puis, tu peux avoir des effets secondaires un peu plus forts. Qu'avec un vaccin un peu moins basique, bourrin, quoi. Donc ça, c'est la base. Depuis, on a plein d'autres techniques. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de repérer sur le virus qu'est-ce qui induit la réponse immunitaire, donc chez les gens infectés. Donc tu vas prendre du sang des gens infectés, tu vas regarder leurs anticorps et voir contre quoi ils se battent. Et tu vas te dire, OK, ils savent se battre contre cette protéine, donc c'est celle-là qu'il faut utiliser dans un vaccin, puisque c'est ça qui va faire une défense après, quoi. Et une fois que tu connais cette protéine, bah, tu as plein de techniques. Soit tu isoles cette protéine et t'injectes juste une protéine. Donc là, tu n'as plus l'histoire du virus entier et tout, tu as juste une protéine. Mais une protéine toute seule, ça ne fait pas peur à ton système immunitaire. Donc là, il faut rajouter des adjuvants, les trucs qui font peur un petit peu et qui en fait sont juste là pour stresser un peu ton système immunitaire. Oui, parce que juste, disons ça. Alors, première chose que j'aime assez souvent répéter, l'immunologie, c'est un petit peu la physique quantique de la médecine, hein, d'accord ? C'est globalement, tout le monde en parle et personne ne comprend rien à ce qu'on cause. On va faire notre Feynman de base. Alors, ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est compliqué. L'immunologie, c'est vraiment hyper compliqué. Enfin, c'est pas juste on met un petit machin, ça répond et on a une réaction. Donc déjà, première chose, il faut bien que vous mettiez ça en tête. Si vous pensez avoir compris le système immunitaire, dites-vous que vous n'avez pas compris le système immunitaire. C'est-à-dire que c'est vraiment balèze. On simplifie parce que c'est simple pour expliquer, mais c'est un peu comme avec la physique quantique. Si vous pensez avoir compris, c'est que vous n'avez pas compris. Moi, j'ai rien compris. Hein, oui, non, mais moi, je sais que j'ai rien compris, mais c'est juste pour voilà, pour remettre les juste pour mettre les choses pour mettre les choses au clair. Et ensuite, il faut comprendre que une protéine dans l'organisme, on s'en tartine l'arrêt, quoi. Enfin, je veux dire, à part des protéines particulières, genre les prions qui font des trucs qui sont des agents émergents un peu particuliers. Globalement, une protéine, vous la mettez dans un organisme, elle est détruite, je pense, en 15 minutes, quoi. Enfin, c'est... Ouais. J'ai donné un truc qu'on connaît bien, l'acide hyaluronique, parce que c'est un bon exemple. L'acide hyaluronique qu'on vante pour retendre la peau, mal antiride. Sachez que l'acide hyaluronique, c'est de l'acide, tout le monde en produit, hein, c'est un truc de base de la matrice extracellulaire. Avant, elle était générée par les crêtes de coque, donc on pouvait la transférer, ça posait absolument aucun problème. Si vous l'injectez de l'acide hyaluronique dans quelqu'un sans la préparer avant, elle disparaît en 20 minutes. Voilà. En 20 minutes, elle est résorbée. Donc si vous ne la traitez pas, elle est en 20 minutes, elle est résorbée. Donc une protéine, enfin, on s'en fout, quoi. Ah, voilà, je te lance. L'acide hyaluronique, elle est réticulée, il la stabilise pour pas qu'elle se résorbe trop rapidement. Mais l'acide hyaluronique, en fait, sinon, elle est résorbée en 20 minutes. D'accord. Voilà. Mais du coup, je vais rembobiner. Du coup, toi, tu injectes une protéine cible, pour que ton système immunitaire crée une immunité sur ce machin-là.
Voilà, fasse des anticorps. Mais elle ne fait pas des anticorps parce qu'elle n'a rien à foutre de la protéine en question, parce qu'elle n'est pas agressive, elle n'est pas méchante. Exactement. Du coup, tu mets des adjuvants. C'est quoi ça, un adjuvant ? En fait, il faut s'imaginer que là où tu injectes ton vaccin dans le corps, tu as toujours du... En fait, ouais. Où qu'on soit dans le corps, le système immunitaire basique, c'est les cellules qui sont toujours là. Elles se baladent, elles patrouillent, et dès qu'il y a un truc chelou, elles vont voir ce que c'est et évaluer le risque. En gros, une protéine, comme l'a dit Primum, une protéine toute seule... En gros, tu as des cellules qui vont se dire « Tiens, une protéine, c'est chelou, on va la bouffer, et puis problème réglé. » Sauf que le but du vaccin, c'est justement d'aller attirer ton système immunitaire pour qu'il crée une mémoire. Donc, c'est ton système immunitaire adaptatif, c'est un peu le level 2 du système immunitaire. Donc, il ne faut pas que ta protéine se fasse bouffer immédiatement. Donc, tu rajoutes un adjuvant. Alors, ça va être un produit qui, encore une fois, dans ton corps est un étranger, mais qui va être en fait inoffensif en vrai pour toi, mais deux, qui va quand même être un peu surprenant pour le système immunitaire et qui va induire une inflammation. Donc une inflammation, c'est ça devient rouge et que c'est chaud là où tu te coupes, par exemple, c'est de l'inflammation. Mmh. Et le but de l'inflammation, c'est d'attirer le système immunitaire en masse pour se défendre. Donc en gros, nous, on va choisir... alors le plus connu, c'est l'alun, c'est de l'hydroxyde d'aluminium, mais tu as aussi, tu peux injecter des lipides, donc c'est juste du gras, ça marche aussi. Donc en gros, tu rajoutes un petit peu de ça dans le vaccin, et au site d'injection, ce produit qui a rien à foutre là va un peu induire un stress, en fait, une inflammation. Ça fait venir pour le coup plein de cellules du système immunitaire, et là, tu as une vraie réponse immunitaire. Et donc ta protéine que tu as injectée, elle ne va pas juste se faire bouffer, parce qu'en fait, c'est un peu du délit de faciès, quoi. C'est comme si tu as tous les flics qui débarquent à un endroit où tu as des gens... C'est dans le thème. Juste passer par là, exactement. Et d'autres qui vraiment foutent la merde. Mais en gros, dans le doute, ils embarquent tout le monde, tu vois. Et donc, ils vont embarquer ta protéine. Et voilà, tu vas créer ta réponse mémoire qui va rester. Et ça, c'est le but du vaccin. D'accord. Donc ça, c'est les trucs qu'on sait faire depuis un peu plus récemment et qui marchent bien. Ouais. Mais depuis, en parallèle, il y a eu une autre stratégie. Et là, c'est celle dont on entend le plus parler en ce moment. Ça va être de, en fait, même pas injecter la protéine elle-même, mais injecter l'étape d'en dessous. Donc, c'est une partie d'ADN ou d'ARN. Donc là, en gros, tu n'injectes rien. Enfin, tu n'as rien de dangereux. C'est vraiment juste un bout de code génétique, grosso modo, qui ne code que pour une protéine. Donc, en gros, tu n'as aucun risque infectieux là-dedans. C'est vraiment c'est simple à produire et ça n'a aucun danger en soi. Attends, je t'arrête juste 2 secondes, parce que là, qu'on précise à tout le monde, attention, là, on est en train d'expliquer le principe du vaccin à ARN, ARN messager, qui est le truc qui est potentiellement, qui va arriver le plus tôt sur le marché. Donc faites attention, parce qu'après les questions, on n'y répondra plus. D'accord ? Voilà. D'accord. Non, mais c'est parce que ça fait déjà 3 fois qu'on me pose la question sur est-ce qu'on va parler des vaccins ARN messagers ? D'accord. C'est le moment vaccin ARN messager, il est maintenant, voilà, c'est ça. On a commencé depuis 15 minutes, c'est parti, allez-y, c'est bon. Donc oui, tu as les deux versions en fait, tu as l'ADN ou l'ARN. Dans les deux cas, en fait, donc tu ne peux pas injecter juste un bout d'ADN ou un bout d'ARN comme ça, ça va se dégrader, ça ne marche pas. Donc tu le mets dans un vecteur. Donc ça peut être tu peux prendre un autre virus qui n'a rien à voir avec le Schmilblick, que tu maîtrises bien, et qui en fait c'est un virus qui est capable de se répliquer, et tu lui as enlevé lui tout ce qu'il avait de dangereux. Donc en fait c'est en gros juste un truc qui est capable de se répliquer mais qui va rien faire de plus, et donc dedans tu peux rajouter juste de quoi exprimer la protéine qui t'intéresse, ça marche. Tu peux le faire avec une bactérie aussi, donc ça c'est des vecteurs. Et ou alors, maintenant, donc la nouveauté, c'est ce qu'on fait, donc Pfizer, par exemple, ou Moderna, c'est les deux dont vous entendez le plus parler. Eux, ils ont fait des vaccins à ARN. Donc là, c'est pareil, ils injectent juste le bout d'ARN qui va faire que la cellule... En fait, comment on dit ? D'habitude, nous, dans le corps, on a des ARN aussi. Et ça nous, dans nos cellules, ces ARN vont être passés dans toute une machinerie cellulaire et devenir les protéines dont on a besoin dans notre corps pour fonctionner. Et là, le principe, c'est qu'on injecte l'ARN qui va coder pour la protéine qui t'intéresse dans le virus, et on va utiliser tes cellules, sauf qu'au lieu d'utiliser tes ARN à toi et de fabriquer tes protéines à toi, et ben elles vont fabriquer la protéine du virus. D'accord. Grosso modo. Et ça se fait comme ça, c'est-à-dire que ça s'intègre dans la machinerie cellulaire, et tes cellules fabriquent le truc. Alors attention quand tu dis le terme intégré, parce qu'il y a beaucoup de craintes sur le fait que ça s'intègre dans le génome. Non,
La réponse est non, ça ne s'intègre pas dans le génome. C'est juste que les ARN, même dans la cellule de manière générale, ton ARN, il se balade en quelque sorte, et tu as une machinerie cellulaire qui est dans tes cellules, dans le cytoplasme. Donc c'est pas... Genre l'ARN ne vient pas se glisser dans ton ADN à toi. Ça ne marche pas, ça. C'est vraiment l'ARN qui est dans la cellule et il va utiliser la machinerie qui est présente dans cette cellule pour devenir une protéine. Et ensuite, d'accord, cette protéine, elle sort de la cellule et là, ça devient ça fait une réponse immunitaire tout à fait classique, comme pour les autres vaccins, quoi. Bon, on va régler le problème tout de suite. Okay. On me pose des questions sur la rétrotranscriptase. Il va falloir qu'on fasse un peu de génomique parce que là, ça va devenir compliqué. Moi, je ne suis pas du tout experte de ça. Non, mais on n'est pas, expert, mais on va pouvoir dire un truc. En gros, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Pauline. On a notre ADN qui va être transformé quand on a besoin. Voilà, c'est la bibliothèque dans laquelle il y a plein de rangements avec des plans. À un moment, on a besoin de trouver un plan en particulier d'une protéine. Bon, là, il y a des mecs qui sont spécialisés dans ça qui vont choper le plan qui t'intéresse dans l'ADN, ils vont en faire une copie, parce qu'on ne va pas utiliser le plan original, on va faire une photocopie du plan, et on va photocopier ce plan en boucle, ça va devenir de l'ARN, et cet ARN-là va être utilisé pour construire le truc qu'on veut, c'est-à-dire qu'on va lire le plan copié, et on ne va pas toucher au plan original, on va juste utiliser les plans copiés. Et les plans copiés, ce sont les ARN. Sauf que l'inverse, c'est très difficile à faire. Prendre un plan copié pour le réintégrer dans le génome, il n'y a que quelques éléments qui sont capables de le faire. Un des très connus, c'est le VIH, par exemple. Il a une protéine très particulière qui est capable de lire l'ARN, d'en faire de l'ADN et de l'intégrer dans le génome. Sauf que ça... On l'appelle rétrovirus ou aucun rapport ? Hein ? C'est pour ça qu'on l'appelle rétrovirus ? Ouais, exactement. C'est ce qu'il fait. Il fait. Le virus, lui, il prend de l'ADN et il le transcrit. Alors que là, c'est il prend de l'ARN, il le rétro-transcrit en ADN et le réintègre dans le génome. Le petit fumier. Et donc, à partir de ce moment-là, dans la machinerie humaine standard, on n'a pas cette protéine. On ne sait pas le faire. On ne sait pas transformer de l'ARN en ADN et de le remettre dans le génome. Ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. On n'a pas la machinerie pour, quoi. On n'a pas les outils pour. Parce que ça ne sert pas, en fait, dans la vie de tous les jours. Donc... Et il y a un autre aspect, en plus, c'est que l'ARN de base, c'est un des trucs les plus fragiles avec lesquels tu peux travailler. Donc, un ARN qui se balade tout seul assez rapidement... Juste comme ça, donc typiquement quand tu manipules de l'ARN dans un labo, si tu le laisses un peu trop longtemps à température ambiante, t'as plus rien à la fin, quoi. Alors que l'ADN, par exemple, ça tient un peu plus longtemps. Bah, l'ARN, clairement, tu peux te dire que quand on vaccine, heureusement pour nous, il va être pris en charge rapidement et rapidement être lu et permettre de produire cette protéine. Mais s'il reste un peu, s'il y en a qui restent en dehors des cellules, il va péricliter, en fait. D'accord. Il est clairement, c'est pour ça que c'est... Pas... c'est pour ça que c'est utilisé comme ça, c'est-à-dire que l'ADN, c'est une espèce de forme très protégée à l'intérieur de la cellule qui détient les plans, et on utilise les photocopies parce qu'on peut les faire en nombre, et que du coup, ça se dégrade quand même relativement vite à l'intérieur des cellules. Bon, du coup, c'est un contact de surface, c'est quoi ? On lit la surface de ce qui est injecté et... Comment ça s'exprime ? Ouais. En gros, il faut imaginer l'ARN, c'est plein de... Comment je peux dire ça ? Souvent, on le représente, c'est une barre avec plein de petites lettres en dessous. Mmh. Et en gros, il faut imaginer une petite machine qui va venir et lire toutes les lettres et qui sait que quand tu combines ces lettres, derrière la petite machine, au fur et à mesure qu'il lit l'ARN, il va produire une protéine. Ouais, c'était plutôt, à mon avis, la question de Bertrand, c'est ensuite cette protéine, une fois qu'elle est produite, comment elle est exprimée par la cellule pour qu'elle puisse être lue et transmise, retranscrite en réaction immunitaire, c'était ça? Elle est où, la tête de... Ouais, c'est comme ça, est-ce qu'il y a une tête de lecture ou est-ce que vraiment on regarde à l'intérieur? Ouais, c'est ça. Alors, du coup, tu produis la protéine, donc il faut t'imaginer, c'est la protéine qui, quand tu as ton virus, qui a une boule comme ça à peu près, il a des petites pics qui sortent. C'est ça, la protéine, machin. Et donc, en général, quand ces pics sortent du virus, toi, tu peux avoir des anticorps qui reconnaissent juste un morceau, qui vont se coller dessus. Et en gros, si tu en as assez, ils vont se coller sur tous les pics qui sortent et ton virus sera incapable d'infecter une cellule parce qu'il sera neutralisé complètement par des trucs qui se sont collés dessus. Okay. Donc, toi, c'est ça que tu veux générer, en fait. Tu veux apprendre à ton système immunitaire que quand tu vois ce morceau de ce pic, il faut un anticorps qui sache se coller dessus pour le neutraliser. Donc, en gros, l'ARN, là, une fois que dans la cellule,
Ça c'est devenu, enfin c'est pas devenu, mais quand ta cellule a fabriqué la protéine, cette protéine elle va soit être exprimée par la cellule elle-même, donc en gros tu as une cellule de toi qui fait partie de toi qui va exprimer à la surface une protéine du virus. Et en fait, ça va permettre au système immunitaire, parce qu'on a des cellules qui sont dédiées à ça, de montrer, attention, il y a une protéine chelou. Les cellules présentatrices d'antigènes, voilà. Exactement. Vous le savez. Elles présentent l'antigène. Les CPA. Et il y a aussi toute une machinerie cellulaire qui fait que, certes, en fait, tu as des récepteurs dédiés à ça qui vont en soi, exactement, présenter, qui vont présenter la protéine aux autres cellules du système immunitaire en disant, tiens, ça, c'est chelou. C'est pas censé être là. Et en fait, la technique du vaccin avec l'ARN, ce qui est sympa, c'est qu'elle va utiliser deux voies dans le... Je m'absente deux petites secondes. Vas-y. Donc oui, avec ce vaccin, on va pouvoir utiliser deux voies du système immunitaire et générer à la fois les anticorps, donc les trucs que je te dis qui se collent autour du virus et qu'ils neutralisent, mais aussi des cellules tueuses. D'accord. Avec deux façons de présenter l'antigène, en fait. C'est hyper technique, mais en gros, il y a deux façons dont ces cellules vont attirer le système immunitaire et elles vont induire les deux réponses dont on a besoin pour se battre contre un virus. Moi, donc, chouette. J'ai juste une question, parce que c'est assez chouette, hein, comme tu le dis, mais comment est-ce que, entre guillemets, en utilisant ce système-là, les cellules présentatrices d'antigènes, le système immunitaire considère que ça, c'est un élément étranger et donc c'est quelque chose à attaquer. En fait, c'est vraiment... c'est compliqué. Ces cellules présentatrices d'antigènes, elles ont des récepteurs très spécifiques. Et tu sais que... Enfin, tu sais, non, mais ton système immunitaire, certaines cellules de ton système immunitaire savent que eux, ce qui les stimule, c'est... un truc présenté sur ce récepteur en particulier, et souvent, t'as même, on pousse plus loin, tu as des co-récepteurs en même temps, c'est tout un truc, et donc en gros, tu as vraiment des communications cellulaires qui se font sur la base de récepteurs, quand ces récepteurs sont là, et qu'il y a un truc dessus, ça déclenche une certaine réponse chez ton système immunitaire. Quand c'est d'autres récepteurs ou un autre co-récepteur, ça va déclencher autre chose dans ton système immunitaire. Soit c'est que, en fait, tes cellules, elles ont chacune certains types de récepteurs seulement. Donc, si tu ne présentes qu'un type de récepteur, tu vas activer qu'un type de cellule immunitaire. Et en plus, certaines cellules peuvent avoir plusieurs récepteurs, mais savoir, alors, ils n'ont pas un cerveau, quoi. C'est juste que c'est des voies écrites comme ça qui font que si tu actives ce truc-là, ça va lancer toute une cascade d'événements derrière qui est déjà programmée. Oh, on a perdu Jérémy. Voilà. Bah justement, j'avais une question qui tue. Ouais, alors je nous remets en écran d'attente, les gens, parce que comme mon réglage est un peu coupé du fait que Jérémy n'est plus là, pour l'instant, je remets l'écran d'accueil. Donc, vous inquiétez pas, on est toujours là, mais c'est juste, je vais attendre que Jérémy revienne. Oui, Bertrand, question. Ouais, bah justement, c'est quoi le système immunitaire? Enfin, où est-ce qu'il est? Enfin, il est partout? Est-ce qu'il est partout? Forcément, il faut qu'il soit partout parce que le virus, il peut arriver partout. Il peut, par la voie respiratoire, par je sais pas où, par les yeux. Donc, forcément, qu'il soit détecté, je pense, le plus tôt possible, j'en sais rien. On rentre directement dans les Galtes, les Maltes, les machins. Où est-ce qu'il y a un centre? Où est-ce qu'il y a un centre de contrôle? Je sais pas. Où est-ce que c'est dans chaque cellule? Pour moi, c'est vachement abstrait. C'est pour ça que je rapproche vraiment ça de la physique quantique parce que c'est quand tu vois de l'extérieur, ça paraît simple. Quand tu commences à regarder dedans, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce merdier, et plus tu commences et plus t'en fais, plus tu te dis mon Dieu, d'accord, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire. Là, parce que là on parle de système, du coup moi je me dis qu'il faut forcément que, enfin je sais pas, le haut de ma tête il dialogue, enfin il soit aussi bien immunisé que le bout de mon pied, enfin je sais pas, je dis des bêtises, hein, mais voilà, faut vraiment que tout le corps soit au courant, et du coup je sais pas comment ça se passe. Vas-y Pauline, je te laisse Ouais. Alors, quand on dit système immunitaire, c'est hyper vaste, en fait. Tu as plein de choses différentes qui se passent à plein d'endroits différents. Donc, comme tu dis, le virus, déjà, tous les types de virus vont rentrer par des voies différentes, etc. Donc déjà, il faut savoir que localement, dans la plupart de nos tissus, de base, tu as des cellules immunitaires qui sont présentes pendant l'embryogenèse, en fait, qui se mettent déjà en place chez l'embryon, pendant la grossesse, et qui vont rester là et qui, pendant toute la vie, peuvent se remultiplier eux-mêmes. Ça, c'est récent, on le sait depuis pas longtemps. Mais en gros, par exemple, dans les poumons, on sait que tu as une banque de cellules immunitaires qui est présente
depuis le début et qui peut s'auto-renouveler. Donc déjà, tu as des trucs locaux. Ensuite, de base, tu as tout le temps des cellules immunitaires qui circulent dans le sang. Et comme ton sang va perfuser tous les tissus du corps, en fait, ton pool de défense immunitaire est en permanence circulant et renouvelé. Ouais. Et en fait, il faut t'imaginer... Franchement, il était une fois la vie pour ça, c'était franchement pas mal bien, fait. Ouais. Avec les petits criquets blancs, là. Exactement. Les sauterelles, ouais, je sais plus. Ouais. T'avais les lymphocytes et tout. Franchement, c'était pas mal fait. Parce qu'en fait, t'as vraiment ça, t'as vraiment des cellules qui sont pas activées, qui sont juste en train de patrouiller, qui se baladent dans le sang. Et elles peuvent être rappelées à un endroit quand il y a un truc chelou. Donc typiquement, ce que je disais avec le vaccin, c'est exactement ça. C'est qu'on va injecter à un endroit du corps un truc chelou, quoi, qui n'est pas censé être là. Et comme c'est pas censé être là, localement, donc tu as toujours des cellules qui se baladent par là de base, dans tous les tissus, quand elles vont capter un truc chelou, soit c'est un truc qui apparemment ne présente rien de dangereux, quoi. Ça peut être un débris cellulaire, parce que tu as des cellules qui meurent tout le temps, par exemple, donc tu peux avoir des débris. Bon, ça, du coup, tu as des cellules, des genres de poubelles qui vont juste les bouffer. Et c'est réglé. Ouais, je me souviens, les gros machins là. Non, c'est ça, c'est les petites roulettes qui mangeaient tout. Ouais. Ce sont les macrophages. Les macrophages, même en personne. Ah, on est sur une base, il était une petite. Oui, on est là-dessus. Mais c'est très bien. C'est très bien, c'est bien en plus. Hein. J'aime et beaucoup. Mais parfois, donc oui, si tu as un truc qui par contre n'est pas censé être là, donc ce que je te disais, c'est que sur les cellules, tu as les cellules du système immunitaire. Tu vas avoir des récepteurs qui vont capter des trucs et se dire soit « Ok, ça, c'est un truc à moi, c'est censé être là, pas de panique. » Soit c'est un truc « Non, ça, on ne sait pas ce que c'est. » Donc, dans le doute, je le bouffe. Mais je ne le bouffe pas pour le détruire, je le bouffe pour l'étudier, en fait. Donc ça, c'est ce que disait Primum, c'est les cellules présentatrices d'antigènes. Et elles vont, en gros, casser le truc en petits morceaux et montrer les morceaux aux copains pour dire « Tiens, j'ai trouvé ça, c'est chelou, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc là, tu as plusieurs trucs. Ces cellules-là, elles vont repartir de l'endroit où elles ont trouvé le truc et aller dans tes ganglions, qui sont un des centres clés de la réponse immunitaire. Donc typiquement, tu sais, quand tu chopes un truc... Je peux juste, avant qu'on arrive sur les ganglions, parce que pour faire... Il y a deux systèmes en parallèle et il faut bien comprendre qui fait quoi. Juste, il y a le système sanguin. Il y a le système sanguin qui fait tourner du sang artériel puis veineux, et ça, il tourne en boucle. D'accord ? Ça, c'est un système qui est unique. Sauf que ça, il est contenu dans les vaisseaux. Les choses dont on parle là, par exemple le vaccin, on ne l'injecte pas dans les vaisseaux. Il ne circule pas dans le sang. D'accord ? Il circule dans l'espace entre les cellules. Donc, il est en dehors des vaisseaux. Les cellules, elles baignent dans un milieu qui est liquidien. D'accord ? Et cet espace entre les cellules, il va se converger vers des vaisseaux qui sont un peu moins visibles, qui sont très difficiles à repérer, qui est ce qu'on appelle la lymphe. D'accord ? Ces vaisseaux, ils vont se concentrer, ils vont aller rejoindre des nœuds, d'accord ? Des carrefours, de plus en plus gros, jusqu'à avoir un très gros vaisseau lymphatique qui va se rejeter dans la circulation sanguine. D'accord ? C'est un réseau en parallèle, c'est un réseau d'épuration. Tous les débris cellulaires, tous les antigènes bizarres, tous les anticorps circulent là-dedans aussi. Tout l'environnement cellulaire qui n'est pas dans le sang, il se converge en lymphe, d'accord ? Ça baigne dans un truc et ça crée des vaisseaux qui vont aller vers une certaine zone, ça s'appelle le canal thoracique, on s'en fout, c'est pas très important, mais il y en a un seul qui se jette ensuite dans la veine, dans une veine au niveau du cou, à gauche, là je l'ai mis à droite mais c'est à gauche en fait. Et au milieu de tout ce réseau-là, il y a des petits relais d'immunité dans lesquels il y a plein d'autres cellules, et là, vas-y, tu peux reprendre, Pauline. Les ganglions. L'exemple que j'ai toujours, moi, c'est les ganglions que tu as ici. Et de temps en temps, tu les sens vraiment physiquement, tu les sens grossir quand tu es infecté. Et c'est un super exemple. Un ganglion qui fait mal est un ganglion qui n'est pas dangereux. Je préfère le dire tout de suite. D'accord, voilà. Tout à fait. Un ganglion qui fait mal n'est pas dangereux. C'est pas dangereux, c'est juste qu'il se passe un truc, en fait. C'est juste que... Donc, ce que je te disais, c'est que tu as une cellule qui a chopé un truc chelou, qui se dit « Ok, c'est chelou, je vais montrer les bouts des trucs que j'ai trouvés, et je vais aller les montrer à qui ?» Ben, aux cellules qui sauront quoi en foutre de mon information. Et donc, ces cellules, elles sont dans les ganglions. C'est les lymphocytes. Ça aussi, dans Il était une fois la vie, c'était les genres de policiers, là, les gros trucs blancs. Ah oui, avec les matraques. Exactement. Et donc, dans les ganglions, t'as des lymphocytes. Tu fais très, très bien, le mec, il sait pas. C'est parfait. Et oui, dans les ganglions, du coup, tu vas avoir des lymphocytes qu'on appelle naïfs au départ. Donc, ils n'ont pas de préjugés, contrairement à... Et donc, ils vont recevoir ces infos
qui a un truc chelou. Ils vont regarder, ok, donc là, par exemple, c'est la protéine du virus. Ils vont la prendre, se dire, ok, donc celle-là, c'est bizarre. Bon, bah, dans le doute, on va fabriquer des anticorps contre ce truc-là. Et ils vont faire deux trucs. Ils vont fabriquer des anticorps qui vont, comme l'a dit Primum, partir dans la circulation pour aller te défendre, parce que visiblement, il y a un truc qu'il faut te défendre contre ça. Et ils vont aussi garder certains de ces lymphocytes vont rester là pour toujours, en fait. Enfin, pour toujours. Du coup, avec certains vaccins, ça ne tient pas si longtemps que ça, mais idéalement, et de façon assez simplifiée, ça te fait ta mémoire immunitaire à vie. Donc, c'est comme si tu avais des vieux sages planqués dans ton ganglion, et puis de temps en temps, quand tu as une cellule qui viendra leur montrer un truc, je me souviens. C'était la gastro de 82. On se souvient bien. Et ça fait que la deuxième fois où tu rencontres. Au plafond, on s'en souvient. Ouais, ça fait que tu réponds super vite, en fait, parce que tu as des cellules qui se rappellent comment se défendre et qui vont immédiatement se mettre à produire les trucs qu'il faut. Et surtout, ces cellules, elles vont se multiplier et donc le ganglion va grossir parce que tu vas avoir plein de défenses qui se mettent en place. Donc, tu vas avoir plus de cellules qui produisent plus d'anticorps. Et voilà. Et donc, soit elles produisent des anticorps, ça, c'est une partie des cellules, soit elles deviennent des cellules tueuses. Et elles, leur but, ça va être de repérer les cellules qui sont infectées actuellement. Parce que quand un virus infecte une cellule, il l'utilise pour se multiplier et à la fin, la cellule, elle crève et elle lâche plein de virus. Et ben, le but, c'est d'essayer de la choper avant qu'elle soit en train de lâcher plein de virus et de la tuer à ce moment-là et de la bouffer. Voilà. D'accord. Alors là, j'ai une question qui est intéressante parce que tu me diras si tu es d'accord avec moi. Parce que là, j'ai une question qui me dit comment les cellules font la différence entre un truc chelou sans danger et un truc chelou dangereux. Mais elles ne font pas la différence, en fait. Elles s'en tartinent l'arrêt. C'est-à-dire qu'un truc... Non, pas un truc à toi. Je ne parle pas d'un truc à toi, un truc chelou. D'accord. Parce qu'un truc chelou, c'est un truc pas à toi. Un truc qui est à toi, c'est pas dangereux. Mais un truc chelou, pas dangereux, mais en fait, tu t'en fous, tu en as tous les jours des trucs chelous, pas dangereux. Mmh. Donc en fait, tu ne le vois pas. Mais l'organisme, lui, il voit des millions d'antigènes tous les jours. Et il fait une base de données, il crée des réactions immunitaires contre plein de trucs. Ce qui fait une différence, c'est que les infections, elles prennent du temps, puis elles envahissent ton organisme. Donc, il y a une réponse beaucoup plus importante, parce qu'il faut générer plus de cellules, donc faire gonfler les ganglions. Mais dans la majorité des cas, ils voient un truc, ils le détruisent, bah les couilles, frère, quoi, ils passent à autre chose. Et il y a un autre élément, c'est que quand c'est en petite quantité, ça ne déclenche pas une réaction immunitaire. Il faut quand même une certaine quantité pour déclencher une réaction immunitaire. Enfin, je parle sous contrôle de Pauline sur tous ces trucs-là. Non, c'est ça. Bah, c'est pour ça aussi que ton système immunitaire, des fois, il met trop de temps à commencer à se défendre. Et qu'entre-temps, si c'est une bactérie, par exemple, elle a eu le temps de déjà proliférer pas mal. Et au moment où ton système immunitaire panique, en fait, c'est déjà un peu tard. C'est déjà hors de contrôle. Et il y a un élément, du coup, que je t'ai pas dit quand on voit tout ce grand panel, c'est que tes cellules, elles ont des moyens de communiquer entre elles, soit des moyens directs de contact. Donc là où je te disais, elles ont des récepteurs et chaque type de cellule va avoir des récepteurs qui sont faits pour réagir les uns avec les autres, soit par des molécules qu'elles relarguent juste autour d'elles. Et donc ça s'appelle des cytokines, la plupart. Et donc, une cellule qui voit un truc chelou qui est en train de se passer et qui se dit « Ok, il faudrait peut-être qu'il y ait des défenses qui viennent m'aider là, à faire quelque chose », elle va relarguer des cytokines autour d'elle et ces cytokines vont partir dans la lymphe et aller dans le sang et dans les autres tissus. Et donc, dans le sang, les cellules qui étaient en train de patrouiller, qui n'avaient pas grand-chose à foutre, et elles vont voir ces cytokines qui arrivent et se dire « Ok, je vais par là ». Et elles vont suivre le gradient de cytokines jusqu'à là où c'est très concentré. Et là où c'est très concentré, c'est là qu'il y a la merde, c'est là qu'il faut agir. Et en fait, peut-être, c'est un truc clé dans la Covid et dans d'autres maladies aussi, c'est que quand tu te fais infecter, tu vas avoir justement à l'endroit de l'infection, donc typiquement là le poumon, des cellules qui voient qu'il se passe un truc chelou, qui vont produire des cytokines pour appeler à l'aide. Du coup, les cellules d'à côté, elles vont faire pareil. Les cellules d'à côté vont faire pareil et tout le monde va commencer à paniquer, à produire plein de cytokines pour appeler à l'aide. Et en fait, ça va devenir un genre de gros bordel d'inflammation, du coup, justement. Et au final, ton système immunitaire va en fait plus foutre la merde encore que l'infection virale elle-même parce qu'il va tellement s'emballer, il va tellement appeler de cellules et leur dire « attention, il faut tuer tout ce qui est infecté, il faut faire des trucs », qu'en fait, ça part en cacahuète et c'est là que tu finis en réa, grosso modo. Ah oui. D'accord. Mais du coup, ça donne l'impression que quelques questions. Ça donne l'impression que plus ton système réagit, pire c'est en fait.
Alors, et du coup, s'il ne réagit pas beaucoup, ça va, tu n'auras pas trop de symptômes. C'est quoi? Tout est une question de balance. Hein. Et comme la merde dans l'andouillette, c'est une question de dosage. Okay. Non, mais voilà, c'est ça. C'est... En fait, la plupart des gens, tu vois, quand on chope la Covid ou la grippe, d'ailleurs, en fait, tu as une réponse immunitaire tout à fait adaptée. Tu vas avoir un peu de fièvre, tu vas un petit peu te battre, et puis en fait, tu vas effectivement éliminer le virus, et puis ce sera réglé. Mais après, chez certains patients, ça, c'est plus les médecins qui sauront te dire pourquoi. Mais chez certains patients, ça va, ce sera pas maîtrisé, en fait. Ça va partir assez vite en cacahuète. Et une fois que c'est ça, tu as le double problème. Tu as le fait que tu n'es plus en train d'essayer juste de shooter le virus chez ces patients, tu es aussi en train d'essayer de calmer le système immunitaire qui s'est trop emballé. Donc, tu as deux combats à mener en même temps. Et, Oui, non, mais c'est ce qui fait la létalité du virus, en fait, parce que s'il n'y avait pas cette réaction cytokinique particulièrement importante, tu serais en face d'une virose du pif, un peu des poumons qui fait tousser, et puis c'est tout, quoi, en fait. Donc, tu t'en foutrais, ça ferait partie des... De toutes les infections respiratoires saisonnières que tu peux avoir et qui ne seraient pas très intéressantes et qui auraient une létalité très faible. C'est vraiment, entre guillemets, ce mécanisme-là qui en fait la gravité. Et c'est aussi pour ça que les traitements anti-inflammatoires, on en a parlé sur la consultation avec Nathan, étaient en première ligne parce que c'est eux qui permettent de réduire un petit peu la létalité de tout ça. Alors, moi, j'ai vu passer quelques questions qui étaient rigolotes. On me demandait où est-ce qu'il y avait des ganglions lymphatiques. On a parlé des ganglions du cou. C'est là où il y a des ganglions qui sont palpables, d'accord ? Comprenez-le bien, c'est-à-dire que les ganglions du cou sont palpables, il y a des ganglions au niveau de l'aine qui sont palpables et également au niveau des aisselles. Et normalement, quand vous faites une infection, le médecin généraliste va regarder un petit peu s'il n'y a pas des ganglions à ce niveau-là parce que ça lui donne une indication aussi sur le plan clinique. Il y a aussi d'autres ganglions au niveau des intestins, il y a un gros ganglion, un très gros d'ailleurs, qui s'appelle la rate. Faire très simple, très schématiquement, la rate, c'est comme un gros ganglion. Il y en a deux très connus qui s'appellent les amygdales. Oui. Donc voilà. Donc il y en a qui sont palpables, c'est ceux-là dont on parle, mais il y en a effectivement un petit peu partout, tout le long du système lymphatique. Il y avait une deuxième question que je trouvais intéressante, qui est relativement facile et très complexe à répondre, c'est comment est-ce que l'organisme reconnaît les cellules, ce qui est à soi et ce qui n'est pas à soi. Ouais, allez, c'était pas formulé immunologie comme ça, 101. Mais j'oriente un peu. Ouais, c'est typiquement. Immunologie 101. Je vais reprendre ce que j'avais mis dans les vidéos, parce que j'aimais bien les vidéos d'un peu pointues au début où on expliquait le système immunitaire. Nous, on représentait les cellules avec des petits panneaux. C'est comme si elles avaient un petit panneau, moi je suis d'ici, ou des panneaux, moi je suis pas d'ici. Et en gros, toutes les cellules, en fait, c'est un type de protéines, de récepteurs que globalement, toutes les cellules que tu as dans ton corps expriment. Et donc, tant qu'elles l'expriment, tout va bien, elle est de chez toi, c'est cool, quoi. Et donc, toutes les cellules du système immunitaire sont capables de reconnaître ce récepteur-là, ce panneau-là. Et en gros, il va passer à côté des cellules du soi en voyant le panneau et en disant, oui, ok, lui, il est cool, lui, il est cool. Et typiquement, une cellule qui, par exemple, une cellule cancéreuse, va pouvoir arrêter d'exprimer ce panneau-là ou exprimer un panneau chelou pour dire, moi, il se passe un truc chelou, je vous présente ça comme si ça avait un cerveau, hein. C'est pas du tout. C'est un mécanisme. Mais c'est très schématique. Hein. Bon, ces protéines-là, c'est par exemple le système HLA. Enfin, on en parle très vite fait, mais il y a le système HLA. Il y a d'autres systèmes. On n'en parlera pas, c'est compliqué. Mais voilà, il y a des systèmes de reconnaissance du soi et du non-soi. Et c'est justement ça qui te permet de savoir si ça c'est étranger, si ça c'est pas étranger. Et il faut savoir que votre système immunitaire est un individu particulièrement xénophobe. C'est un peu. Je vais balancer une sorte d'Éric Zemmour, mais en vous, quoi. C'est un peu dommage. Je vais dropper des noms pour que vous puissiez aller voir si vous voulez, parce qu'on n'a vraiment pas le temps de lancer dans le truc. En gros, il faut les chercher, complexe majeur d'histocompatibilité, d'accord ? C'est un truc qui s'appelle CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, si vous voulez chercher sur Wikipédia. Il y a le type 1 qui représente le soi, le type 2 qui représente le non-soi. Déjà là, si vous arrivez à survivre jusqu'à la fin des deux articles, normalement, vous en saurez un peu plus sur le soi et le non-soi. Et je vous souhaite une bonne chance, hein, c'était mes 6 premiers mois de médecine et j'ai toujours rien compris. Donc, Je les enverrai vers des noms plus simples, plus simples que ça. Oui, mais au moins comme ça, ils ont les vrais noms. Oui. Non, mais
Faisons très simple. Là, il faut bien comprendre ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie au maximum pour rendre le truc audible. Si vous voulez, on peut se mettre en mode ultra vénère, vous comprendrez rien, nous non plus, et on aura l'air stupide. Laissez tomber, on est vraiment sur de la simplification. Et je sais que le chat a très très envie de venir m'expliquer l'immunologie niveau master de biologie. C'est super ce que vous faites, mais restons simples. Restons vraiment simples et on va essayer de... On parle à des gens de niveau bac, simplement, d'accord ? Donc, essayons de nous mettre à niveau. Voilà, juste pour vous donner une idée, ça, c'est ce que je me suis ingurgité en première année de médecine sur l'immunologie et c'est la base. Bah, j'allais te dire, il est tout fin, ton livre. Ouais, mais c'est le Revillard, il est très bien, mais c'est putain de dur. Bref. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Non, ne faites pas ça chez... Le Revillard est très bien, si vous voulez l'acheter, mais c'est super dur. Faites de la cardiologie, c'est plus simple. Voilà. J'avais une question que j'avais notée pour être sûr de ne pas l'oublier. Le vaccin ARN, déjà fait ou nouveau ? Alors, ce sera la première fois qu'un vaccin ARN aura une autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire qu'il aura passé toutes les phases cliniques et qu'il sera vraiment commercialisé. Mais il y en a déjà, donc par exemple Moderna, la boîte qui est vraiment qui fait parler beaucoup d'elle, avait déjà des essais cliniques en cours avec la même stratégie, mais pour d'autres virus. Donc en l'occurrence, eux, c'était la grippe. Donc ils ont déjà des essais cliniques en cours, mais qui n'étaient pas avancés au point d'avoir une autorisation de mise sur le marché. Et par contre, en essais précliniques, chez l'animal, là, il y a déjà pléthore de données, parce que ça fait vraiment quelques années que plusieurs labos publics et plusieurs entreprises travaillent là-dessus. D'accord. Donc, c'est relativement nouveau dans son application, entre guillemets, à grande échelle. Il y a déjà eu des études qui ont été faites, quand même. Enfin, pas de rien. Oui. Donc, je vous disais, il y a des essais cliniques en cours et pour l'instant, ils sont tous en train d'avancer comme si tout se passe bien dans ceux qui sont en cours. Donc, il n'y a pas. En gros, en fait, vu la structure du vaccin, vu le mécanisme du vaccin, enfin, sur la théorie, déjà, on se disait que c'était le plus safe qu'on ait produit jusqu'à présent. Puisqu'il n'y a vraiment rien qui pourrait dire que ça pourrait avoir des effets secondaires. On ne voit pas comment, en fait. C'est vrai que ça paraît improbable, en fait. Ça paraît plus qu'improbable. C'est ça. Et puis, surtout, c'est facile à produire. C'est pas cher à produire. Pour vous dire pourquoi je vous dis qu'il y a peu de chances qu'il y ait un effet secondaire, c'est que dans les autres types de vaccins, alors soit on va avoir, je vous disais, un adjuvant, par exemple. Et on sait que les vaccins adjuvantés, vous allez avoir, lors de l'injection, de la fièvre, mal au bras, etc. On peut avoir des fois besoin de les produire sur de l'œuf, et il y a des gens qui sont allergiques à l'œuf, donc ces vaccins, on ne pourra jamais les faire aux gens qui sont allergiques à l'œuf. Il y a des vaccins, tous ceux qui sont avec des virus atténués, on ne peut pas les faire aux femmes enceintes ou aux personnes qui sont immunodéprimées, parce qu'on sait que si on met un virus un peu shooté, mais qui peut encore se répliquer, en fait, on compte quand même sur ton système immunitaire pour le shooter complètement. Donc, si si c'est quelqu'un qui a un sida déclaré, par exemple, ou qui a un système immunitaire défaillant, on ne peut pas le faire. Donc, en fait, sur les autres panoplies de vaccins, il y a souvent quand même des exceptions, quoi, des gens à qui tu ne peux pas le faire. Je reviens un petit peu sur ce point parce que je pense que c'est important d'insister. Le vaccin vivant atténué chez les gens qui sont immunodéprimés, il pose deux problèmes. Le premier problème, c'est la possibilité de se réactiver et du coup de provoquer une véritable infection virale. Ça reste rare, mais ça peut arriver chez quelqu'un qui est très profondément immunodéprimé. Le deuxième problème que ça pose, c'est le risque de ne pas créer, entre guillemets, une immunité suffisante. De ne pas marcher. C'est-à-dire, vous injectez le machin et le mec est pas protégé parce que son système immunitaire n'est pas capable de créer les défenses pour. Il y a aussi cet enjeu-là. Vous avez toujours l'impression que c'est le risque que ça se réveille, mais nous, c'est surtout le défaut d'immunisation qui nous pose problème dans ce cas-là. Je te laisse revenir, vas-y. Et c'est aussi sur une technique de production. Produire de l'ARN, c'est simple, en fait. C'est simple, c'est rapide, c'est pas cher. Ça veut dire que typiquement, on aura moins les soucis. Si tu veux créer un vaccin à grande échelle et le donner dans les pays en voie de développement où il n'y a pas d'argent à mettre là-dedans, et ben un truc qui te coûte quelques centimes à produire, ce sera beaucoup plus simple techniquement de le faire. Donc en vrai, cette plateforme, ça fait quelques années qu'on en parle dans le monde de la recherche. Et
sur la théorie, il est parfait ce vaccin. C'est juste que, de manière générale, un vaccin, entre le moment où tu as l'idée et tu commences à le développer et le moment où il a une autorisation de mise sur le marché, en général, c'est du 15 ans, quoi. C'est du 10-15 ans. Donc là, oui, ça fait quelques années qu'on en parle, ça fait quelques années que c'est en test chez l'animal et ça a des super résultats, ça fait quelques années que c'est en essai clinique et c'est en phase 1 à 2 pour l'instant. Donc phase 1 à 2, on parle de centaines de personnes, on n'est pas sur des dizaines de milliers. Donc tout se déroule très bien pour ce développement, mais ça met 15 ans, donc jusqu'à présent, on l'a pas encore, on n'est pas arrivé au bout de ce test-là. Donc là, c'est vrai que ces vaccins-là, de Moderna, de Pfizer, etc., ça va être les premiers vaccins à ARN qui vont être distribués. Là, on va partir tout de suite sur des millions de personnes, puisque là, l'Europe, les États-Unis ont déjà commandé des millions de doses. Donc là, ça va être une phase 4, c'est ce qu'on appelle, il faudrait que je vous explique de nouveau les phases de développement. Mais ça va être une phase 4 grandeur nature, quoi. D'accord. Ouais, modèle géant, enfin plus géante que d'habitude, quoi. C'est ça. Et alors, juste pour préciser, pas la première fois qu'on fait ça, hein, pour Ebola, par exemple, quand il y a eu vraiment la grosse épidémie qui est partie rapidement en cacahuète là, il y a quelques années, c'était en Sierra Leone d'abord, ça avait bougé un petit, enfin c'était dans plusieurs pays. C'était l'urgence, il fallait absolument vacciner les gens parce que c'était ingérable en fait. Et il y avait eu ce même processus, c'est-à-dire qu'il y avait un vaccin qui était en essai clinique, mais en tout début d'essai clinique, il avait parfaitement marché chez l'animal, donc chez le macaque en l'occurrence. Donc il n'y avait pas de raison qu'il ne marche pas. Et devant la panique de fait que les soignants se faisaient contaminer, qu'il y avait un nombre de morts ingérable, ils avaient accéléré ce n'était pas une mise sur le marché à l'échelle mondiale comme c'est le cas actuellement, parce qu'Ebola n'était pas à l'échelle mondiale. Mais ils avaient zappé les phases cliniques d'avant, et ils ont fait tout un protocole pour maîtriser le truc et pour suivre les effets secondaires, mais ça a été envoyé tout de suite aux gens qui en avaient besoin. D'accord. Et sur les vaccins là, qui vont être développés, il y aura un suivi des effets secondaires possibles, les machins comme ça, il y aura quelque chose de ce goût-là. Hein, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc là, oui, c'est ce que je disais, il faudrait peut-être que je reprenne, quand on développe un médicament ou un vaccin, donc de manière générale, quand il n'y a pas de pandémie qui est en train de confiner le monde entier, ça se fait en plusieurs phases. Donc, tu as une phase 1 sur genre une dizaine de personnes où là, le seul critère, c'est de regarder s'il y a un effet secondaire majeur, enfin un effet secondaire qu'on voit tout de suite. Si tu passes cette phase-là, tu passes en phase 2. Donc là, on passe sur max une centaine de personnes. C'est quelques dizaines plutôt. Là, on va pouvoir tester peut-être plusieurs doses. Toujours critère numéro 1, sécurité. Si tu as le moindre truc qui ne va pas, pas te permettre tout de suite. Si la sécurité passe toujours, tu commences aussi à regarder si ces gens développent une réponse immunitaire, donc des anticorps. Mmh. Et si ça passe, tu passes en phase 3. La phase 3, tu es sur de la centaine, voire des milliers de personnes. Et toujours critère numéro 1, sécurité. Dans toutes les phases, si à un moment, tu as le moindre doute sur la sécurité d'un médoc ou d'un vaccin, si ça passe, ben là, tu regardes effectivement si tu as une réponse immunitaire et idéalement, s'il y a une protection. Donc, avec un traitement, c'est facile à voir parce que tu vas traiter des gens malades. Donc, soit ils vont mieux, soit ils vont pas mieux. Avec un vaccin, c'est plus youx parce que tu vas vacciner plein de gens. Mais au final, tu n'es pas entièrement sûr qu'ils vont rencontrer le virus tous, quoi. Donc, c'est un peu plus long souvent à développer. Ça nécessite plus de gens pour mesurer l'efficacité. Mais voilà, ça, c'est les trois premières phases. Ça dure des années. Mais vraiment, je vous le dis, on est sur du... Alors, quand je vous dis 15 ans, c'est depuis le tout début, c'est aussi les essais chez l'animal et tout, mais ça dure vraiment longtemps. Tu fais tout un dossier, tu dois tracer tous les résultats, les effets secondaires, etc. Et ensuite, tu as ton autorisation de mise sur le marché. Et en fait, une fois que c'est commercialisé, on appelle ça la phase 4. En fait, ça reste une phase, dans le sens où tu traces toujours les effets secondaires et tu traces l'efficacité. Donc, en permanence, tu vas avoir tes colonnes qui vont monter, en fait, de nombre de personnes vaccinées qui ont été infectées et nombre de personnes non vaccinées qui ont été infectées. Si tout se passe bien, l'écart va se creuser. Donc, tu vas avoir ton efficacité d'un côté et de l'autre côté, tu vas avoir tes effets secondaires. Donc, mettons que ton vaccin, il ait un effet secondaire sur une personne sur 1 million. Dans ta phase 3, où tu étais sur 2000 personnes, tu ne l'as pas vu, cet effet secondaire. Tu n'avais pas assez de gens. Et peut-être que ça ne touche que la personne qui a un syndrome super rare d'une maladie orpheline, on n'en sait rien. Donc, tu ne l'avais pas dans tes 3000 personnes, tu ne l'as pas vu. Mais une fois que le vaccin est sur le marché et que le nombre de gens augmente,
statistiquement, tu vas tomber dessus sur cet effet secondaire et tu vas le tracer. Donc quand je dis tu, c'est il y a des bases en ligne où tout le monde a accès, en fait, hein, vous pouvez aller voir ces données-là. Vous, quand vous vous faites vacciner, si vous avez un effet secondaire, vous pouvez le remonter, soit à votre médecin traitant qui doit le remonter, soit directement au fournisseur. Donc tout ça, c'est tracé. Et en fait, en permanence, tu as une balance bénéfice-risque qui est évaluée. C'est-à-dire que si au fur et à mesure des années, tu as de plus en plus d'effets secondaires qui apparaissent et qu'au final, tu as plus de risques... C'est assez compliqué à expliquer. Combien de personnes tu sauves et combien tu... Ouais, c'est ça. Et la balance doit être vraiment, vraiment, vraiment fortement en faveur du truc. Parce que si tu commences à avoir vraiment, ne serait-ce que... j'ai pas de chiffres à te donner, mais si tu commences vraiment à avoir des effets secondaires, tu l'arrêtes. Ouais, je peux te donner un bon, hein, par exemple, la variole, le vaccin pour la variole, il avait 35% de risque d'encéphalite. Genre pas un mot de tête, une encéphalite, une inflammation, l'équivalent d'une méningite, si vous voulez. Les encéphalites, c'est grave. Hein. Il y avait quand même des gens qui pouvaient en mourir de l'encéphalite. Et bien, il a été considéré comme tolérable. Parce que la variole faisait tellement de morts que 35% d'encéphalite, les gens étaient contents. Voilà, tout est une question de balance. S'il y a 80% de mortalité... C'était 20% de mortalité infantile. Oui, voilà, la variole, c'est ça. À peu près. À peu près, tu sacrifies un enfant, hein, ce qu'on appelait la part des anges, entre guillemets, aussi. Donc voilà, non, c'est affreux, mais c'était un petit peu comme ça. Après, il faut le peser par rapport à une maladie comme le Covid, qui a une mortalité un peu plus faible, tu vas quand même être un peu plus exigeant. C'est-à-dire, oui. Si tu as 1% d'effets secondaires graves, j'entends graves, sur une mortalité de 1%, c'est pas fou, quoi. C'est pas très bien. Par contre, 0,0001% d'effets secondaires graves, tu vas dire, bon, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? D'accord? Donc, les effets secondaires, tout peut être décrit, hein. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que la vaccination antigrippale, elle donne mal au bras dans tant de pourcents de cas. Elle peut donner un syndrome grippal. Entre guillemets, le bras douloureux, un petit syndrome pseudo-grippal. On le sait. Mais on considère que le petit syndrome inflammatoire secondaire que tu vas faire suite à la vaccination ne te met pas en situation d'incapacité, c'est-à-dire ne te met pas en situation où tu dois arrêter de travailler déjà, et surtout ne te met pas à risque de mourir, parce que c'est le principal problème avec la grippe, c'est que si tu as plus de 65 ans, si tu as des facteurs de risque, tout ça, ben tu peux mourir de la grippe ou aller en réanimation à cause de la grippe, et ça, on ne veut pas. Là, je parle de trucs qu'on connaît, parce qu'on a le recul vis-à-vis de ça. Il faut bien comprendre un truc, c'est qu'on n'a pas de recul vis-à-vis de ce vaccin pour le Covid, parce que ben, si pas de recul, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Donc, il va sortir là dans quelques mois. Et surtout, là, tu dis ce vaccin contre le Covid, mais en fait, il va y en avoir plein. Parce qu'il y en a déjà, là, il y en a déjà plusieurs qui ont été précommandés par l'Europe. Ça tombe bien. Comment est-ce qu'on a choisi les vaccins? Genre, là, en France, on a dit quel vaccin on prend. Pourquoi celui-là? Pourquoi pas un autre? Qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir tel vaccin ou tel vaccin? Alors, il y a tu as le critère de ceux qui sont plus avancés, tout bêtement, pragmatiquement, ceux qui vont sortir le plus rapidement, qui ont l'air safe. Et alors, je vais dire un truc il n'y a pas de base scientifique, mais par exemple, on n'a pas précommandé des vaccins russes et chinois. Peut-être que c'est politique. Il y a de la géopolitique un peu. Oui, non, et parce que ce n'est pas les mêmes types de vaccins non plus, et les essais cliniques sont en train de se dérouler en Russie, en Chine, et un peu dans d'autres pays, etc., mais pas du tout en Europe. Alors que, par exemple, Pfizer, qui travaille avec une boîte allemande, BioNTech, eux, ils font des essais cliniques, tout ce qui est plus européen, si on peut dire. Donc, en gros, je pense qu'il y a un aspect confiance qui a joué, évidemment, dans la sélection. Donc, typiquement, du américain-allemand, bingo, tu vois. Les grosses boîtes, Sanofi, c'est français, donc bien sûr. Il y a Johnson & Johnson qui est une boîte américaine. Enfin, en gros, je pense qu'ils ont choisi ce qui était sur le plus avancé et ce en quoi tu fais une confiance entre guillemets aveugle, parce qu'en fait, c'est des boîtes qui vont fonctionner avec le fonctionnement des guidelines européennes et américaines qui sont globalement les mêmes, avec les mêmes standards de production, les mêmes standards d'évaluation. Donc, tu choisis ce que tu connais, en fait. Il y a aussi le critère logistique, hein, qui est super important. Genre un vaccin qui doit être conservé à moins 80 degrés ou il faut des congélateurs spéciaux, c'est pas pareil que celui qui se conserve dans le congélateur de mon Tout à fait, Et mais là, pour le coup, l'Europe a aussi... C'est un critère de choix. Ouais.
Mais là, pour le coup, on a aussi commandé de ceux-là, hein, de ceux qui se conservent à moins 80. Et bon, par contre, Pfizer s'est vite rendu compte de la panique que ça a déclenché quand les articles sont sortis partout en disant « Attention, ils se conservent à moins 80 ». Donc, en gros, d'un côté, tu as les pays... Bah, nous, par exemple, Olivier Véran a annoncé qu'ils avaient acheté 50 super congélateurs. Bon, avec 50, on va pas aller très loin, mais pour le début, c'est pas mal. Mais d'un autre côté, Pfizer et Moderna ont tous les deux aussi travaillé sur ça. Donc, par exemple, il y en a un des deux, je crois que c'est Moderna, qui lui a dit que eux, c'était cool, leur vaccin, on pouvait le garder un petit peu à 4 degrés. Donc, en gros, je crois que tu peux le mettre à moins 20 dans un congélateur classique pendant quelques semaines, et ensuite, tu peux le garder à 4 degrés pendant genre 7 jours. Donc, en gros, c'est parfait, parce que ça veut dire que le pharmacien l'aura dans son congèle, et quand il te le donne pour aller te faire vacciner, t'as une semaine pour aller le faire, donc ça va très bien. Et Pfizer, là, sont en train de développer, en fait, eux, un système, genre des boîtes qui pourront garder le vaccin à la bonne température pendant le trajet pour que t'aies pas besoin d'embarquer de l'azote liquide dans des avions, par exemple. C'est ce qu'on a arrêté de faire. Ils voulaient le faire en version en poudre, non? Je sais pas. J'ai cru voir ça. Alors, non, oui, si, c'est fait classiquement. C'est d'ailleurs bizarre que ce soit pas déjà en poudre. Ça, j'ai pas fait attention. Okay, j'ai peut-être mal, j'ai peut-être confondu deux infos, ouais, mais... Non, c'est possible. Dès le début, il était en poudre. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est clair qu'ils vont essayer de trouver une solution. Mais là, tu vois, dans ce que l'Europe a commandé, il y a plusieurs modèles, quoi. Il y a de l'ARN, mais il y a aussi des vaccins atténués. Et je crois qu'ils ont aussi précommandé chez Novavax ou Sanofi leur vaccin protéique. Donc, ils ont misé sur plusieurs chevaux. Ils n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier. C'est judicieux. Donc on aura à la fois les zombies et à la fois les morts qui se relèvent. On aura les deux. Ne vous inquiétez pas. On aura la 5G et les autistes. C'est ça. Non. Parce que alors, j'ai juste répondre que... à... Ouais, vas-y. Non, mais c'est évident que si tu fais un vaccin, l'important, c'est que ça rende autiste. Et je suis content qu'ils continuent de travailler là-dessus. Très bien. Ouais, mais ça, c'est pour une guideline... Enfin, on l'a dit même plus. C'est... Ah, vous voulez la guerre? Ce n'est pas vrai. La type premier degré, calmez-vous. Je vais essayer de répondre à quelques questions à la volée là, qui sont revenues et qui sont relativement intéressantes. Alors, une des inquiétudes qui revenait, c'est le risque de virus recombinant. Tout ce qu'on fait, c'est balancer c'est un plan. On balance un plan qui est lu, qui produit. C'est au lieu de balancer l'objet monté, on balance le plan et c'est l'organisme qui monte l'objet, d'accord? Et surtout que d'une protéine, c'est même pas le virus. Oui, voilà. Entier, donc hein. Des virus recombinants, non, c'est pas possible ça. Ensuite, les questions. Non, mais qui parce avaient... que même au pire, si ça recombine, grosso modo, ça exprime une protéine inoffensive, voilà, et c'est tout. Ensuite, on fait produire par la cellule une protéine du virus, donc le système immunitaire va attaquer la cellule, c'est pas risqué. Si, mais c'est justement ce qu'on cherche en fait. Oui, au pire, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que la cellule va produire la protéine, va l'exprimer et au pire, elle va être détruite. Non, mais au pire, admettons au pire. Oui, d'accord, oui, c'est-à-dire, ok. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une quantité limitée de plans qu'on envoie. On va pas, même si on envoie 10 millions de copies de ce plan, 10 millions de cellules, c'est rien. Surtout, c'est pas la plupart des cellules qui vont le prendre en charge. C'est pas, c'est dans le cours des choses en fait. Elles vont vraiment servir à prévenir le système immunitaire. Donc c'est pas. Et c'est pas une copie. C'est pas un plan par cellule en plus. C'est des centaines de plans par cellule. C'est-à-dire que même si ça détruisait quelques cellules, c'est dans le muscle. Voilà, on va survivre. Hein, c'est pas voilà. Et c'est le but en fait. Et le nombre de copies, une fois que les plans sont terminés, comme on ne reproduit pas les plans, ça sera terminé, voilà, ça va durer transitoirement. Mais quand vous faites une infection standard, vous avez plus de cellules qui meurent, en fait, hein, encore. C'est, beaucoup plus. Voilà. Et alors là, c'est un truc un tout petit peu sioux. Est-ce qu'on confirme que quand on sera vacciné, on pourra toujours être contagieux? Mais j'ai envie de vous dire, oui, en fait, c'est normal. Parce que ça dépend. Le coup, en fait, dans les essais précliniques qui ont été publiés pour l'instant, parce que les publis scientifiques qui sont déjà sortis, pour l'instant, c'est chez l'animal, hein, c'est chez souris, hamsters et macaques. Il y a des vaccins, je crois que celui de Moderna en fait partie, qui arrivent vraiment à réduire beaucoup la charge virale. Donc ça, c'est chouette, parce que ça veut dire que même si tu es infecté, chez quelqu'un de vacciné, quand il est infecté, il produit beaucoup moins de virus que quelqu'un qui ne serait pas vacciné. Donc, tu peux, par extension, te dire qu'il sera moins contagieux. C'est difficile à mesurer, mais à partir du moment où tu as moins de virus dans le nez ou au niveau de la gorge, ça veut dire que tu en
n'excrètent moins, donc t'es moins contagieux. Mais effectivement, pour l'instant... Ouais, pardon. Non, non, c'est une assertion qui paraît logique, oui, effectivement, ouais, c'est ça. Oui, mais c'est, disons que c'est autant chez l'animal, ça peut être mesurable, autant chez l'humain, on ne va jamais avoir C'est plus compliqué, oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas inoculer, tu ne vas pas inoculer chez l'humain, ça s'appelle un essai pas très éthique, en fait. Et du coup, alors, il y en a qui le font. Hein. En Angleterre, il y en a qui exposent. C'est vrai ? Mais, ouais, il y a des essais cliniques où ils t'exposent vraiment le truc. Mais donc, oui, là, le truc, c'est que les données qui sont sorties pour l'instant, c'est des données d'efficacité contre l'infection, mais ils ne se sont pas avancés trop sur le fait que tu ne seras pas contagieux. Mais parce que, encore une fois, ils sont en train de vous donner des résultats de leurs essais cliniques en live. On ne fait jamais ça. Et intermédiaire. Il faut du recul. Et intermédiaire, en plus, ce n'est même pas les publications. C'est les mecs qui ont dit, bon, on a à peu près ça. C'est ça. Donc là, il faut vraiment prendre tout ça avec des pincettes, mais eux en sont conscients aussi. Hein. Là, ils font des coups de pub parce que, en gros, c'est la course à l'échalote sur qui va réussir à vendre le plus de doses. Parce qu'en fait, il faut voir ça aussi du point de vue de l'entreprise. Oui, voilà. Là, ils se sont lancés tous à corps perdu en dépensant des fortunes pour produire ce vaccin. Ils savaient pertinemment que toutes les entreprises du monde qui avaient les capacités de produire des vaccins étaient en train de faire pareil en même temps. Donc c'est un peu la course parce que là, ils ont tous investi des quantités de thunes. Ils ont besoin d'être sûrs qu'ils vont au moins rembourser leur truc, donc vendre quelques vaccins. Sinon, il y en a. Alors bon, Sanofi ne va pas couler à cause de ça, mais il y a des petites boîtes. Moderna, ce n'est pas une très grosse boîte, en fait. Il y a plein de boîtes, ce n'est pas des grosses boîtes. Il y en a d'ailleurs, je ne sais plus laquelle c'était, si c'est Moderna ou Novavax, qui étaient en fait déjà en train de couler avant. Et là, c'est un peu leur bouée de sauvetage, là, ce truc. Et là, ce qui se passe, c'est que d'habitude, t'attends d'être à la fin de ta phase clinique pour produire des vaccins parce que tu veux être sûr que quand tu vas les produire, tu as des pays qui vont les acheter. Mais là, ce qui se passe, c'est que pour être sûr de bientôt, enfin le plus rapidement possible, protéger les gens, il y a plein, donc l'Europe, les États-Unis, mais tous les pays, en fait, ont précommandé des doses. Donc en gros, ils ont donné de l'argent aux boîtes en leur disant, allez, je parie sur le fait que ça va marcher. Voilà. Et l'idée, c'est de dire, commence à produire. Vas-y. Enfin, tant pis, si ça marche pas et que t'as pas l'autorisation à la fin parce que finalement il y aura eu des effets secondaires, et ben tant pis, tu jetteras tout. La boîte aura eu l'argent pour les produire, donc la boîte ne va pas couler, et tant pis, l'Europe aura donné de l'argent pour rien. Mais si elle ne le faisait pas, on lui en voudrait. Ouais, clairement. Oui. Après, oui, c'est une stratégie logique là. Donc du coup, l'Union européenne a investi dans plein de boîtes en disant fabriquez des vaccins, on s'en bat les couilles, faites tout ce que vous pouvez et on vérifiera l'efficacité, on prendra ceux qui fonctionnent le mieux et en avant. Et comme ça permet de mettre des options et d'être sûr qu'on aura des doses disponibles pour l'Union européenne. Exactement. Et ils ont quand même. Une seule entreprise peut pas fabriquer toutes les doses. Si. Non, là, à l'échelle mondiale, quoi. Oui. Là, c'est impossible. Donc, même l'entreprise qui n'est pas sélectionnée, on va dire, elle va devoir fabriquer les doses de l'autre entreprise qui a gagné les marchés, ou pas ? Ah, c'est une bonne question, ça. Déjà, ça veut dire que les chaînes de production ne sont pas du tout les mêmes. Donc, peut-être qu'une entreprise qui produit de l'ARN peut produire l'ARN de quelqu'un d'autre. Par contre, par exemple, passer d'une chaîne de production ARN à virus atténué, ça, c'est chaud, quoi. Oui. Donc ceux qui font les mêmes trucs, je pense qu'en changeant un peu la chaîne de production, ce serait possible. Mais alors, je ne saurais pas te dire si c'est faisable. Après, c'est bien aussi qu'on ait un petit recul. C'est-à-dire que là, les mesures d'efficacité là, qu'on a, c'est des efficacités toutes débutantes, en fait. C'est juste des estimations et ça va s'affiner par la suite. Donc c'est bien déjà de voir ce que ça va donner. Si ça se trouve, on va avoir des meilleures efficacités ou des meilleurs profils de tolérance d'un côté ou de l'autre. C'est impossible de savoir là aujourd'hui quel vaccin va remporter entre guillemets l'adhésion générale, celui qui aura le moins d'effets secondaires avec l'efficacité la plus forte en fait. Donc mais là pour l'instant, qu'il faut. Et donc là, vas-y. Là, les données qu'ils nous donnent, c'est surtout que chez les vaccinés, a priori, tu n'as pas de cas graves. Et ça, c'était quand même déjà un premier gros truc important, parce que comme le ministère de la Santé se tue à nous le dire, ce qui est important, c'est de ne pas emboliser les hôpitaux. Parce que nous, c'est notre gros problème, parce qu'en soi, il y a plein de gens qui disaient, mais
En fait, ça touche que les personnes âgées, donc on pourrait confiner que les personnes âgées et laisser les autres vivre leur vie et attendre l'immunité collective, etc. Mais en fait, tu as plein de soucis là-dedans. Tu as le fait que, bah déjà, l'immunité collective, a priori, c'est pas gagné-gagné, parce qu'a priori, tu peux te faire réinfecter si tu as déjà été infecté. Oui, puis c'est un concept, hein, comme disait le professeur Costa-Guillola, c'est un concept, l'immunité collective, d'accord ? C'est pas quelque chose qu'on doit atteindre, c'est quelque chose qu'on recherche, mais c'est pas quelque chose qu'on obtient comme ça, parce que sinon on n'aurait jamais eu de problème avec la variole ou des trucs comme ça. Je veux dire, il faut une couverture très importante, donc et ça prend du temps surtout. Oui, voilà, c'est ça. Et là, en fait, l'urgence qu'on a, pourquoi on est confiné comme ça, pourquoi il y a des mesures aussi drastiques, juste pour pas que les hôpitaux coulent, en fait, et pour te dire que tu vas réussir à un petit peu freiner le nombre de personnes qui ont besoin d'être en réanimation. Ça permettra au moins, donc même si tant pis, si le virus continue à circuler, et ben tant pis, parce qu'en soi, il y a plein de gens, là, j'imagine que parmi ceux qui nous regardent en ce moment, il y en a plein qui l'ont eu, le Covid, en fait, la Covid, et qui vont bien, enfin, et ça va. Mais le souci, c'est de se retrouver avec des hôpitaux pleins, ce qui fait que toi, si tu as un arrêt cardiaque ou un accident de voiture, en fait, on ne peut plus te prendre en charge parce que tout est plein avec des gens qui sont en réa. Donc, si déjà on arrive à bloquer ça, ce sera déjà, ça permettra de reprendre, entre guillemets, une vie normale, quoi. Alors, je vais vraiment revenir sur cette histoire de vaccins et de vecteurs, parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le système immunitaire, il fonctionne quand même pas mal en interne. Alors, il y a des structures immunitaires dans les muqueuses, d'accord ? Il y en a à certains endroits qui produisent dans le mucus qu'on sécrète dans nos poumons et sur toutes nos surfaces internes des anticorps qui vont neutraliser deux, trois trucs, d'accord ? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la grande majorité des cas, c'est surtout à l'intérieur que ça se passe, l'immunité. Donc, les virus de l'extérieur, quand ils attaquent juste la surface, ils peuvent se répliquer, en fait. Donc, on peut être vacciné. Donc, éviter d'avoir l'infection qui pénètre et qui fout le bordel, mais on peut toujours avoir une réplication virale à la surface. C'est un peu comme la polio, par exemple. La polio, il y a deux types de vaccins. Il y a le vaccin qu'on injecte et le vaccin qu'on boit. Le vaccin qu'on injecte, il ne produit qu'une protection contre l'intérieur pour éviter quand le virus passe à l'intérieur, ça crée des paralysies. Mais sinon, le vaccin injecté, les gens qui sont exposés à la polio, ben, ils excrètent du virus de la polio. Ils sont juste pas la forme grave. Alors que le vaccin oral crée une immunité de paroi, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est super compliqué, je ne les maîtrise pas, mais globalement, le vaccin oral qui passe par le tube digestif crée une immunité du tube digestif, ce qui fait que ces gens-là n'excrètent plus le virus. Alors, ne me demandez pas pourquoi on ne peut pas le faire pour le corona, j'en ai absolument aucune foutue idée, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal, ça ne me paraît pas délirant, puisque ça se voit dans plein d'autres trucs, que les muqueuses ne se défoncent pas exactement de la même façon que l'intérieur. Le but, c'est quand même de protéger l'intérieur. Et donc, effectivement, oui, on aura probablement toujours des gens qui sont un petit peu excréteurs malgré la vaccination, mais ce n'est pas délirant. Et ce n'est pas étonnant. Enfin, moi, ça ne me surprend pas. En fait, quand on me dit ça, je dis oui, ok, d'accord, bon, ce n'est pas grave. C'est... Voilà, c'est tout. Il y a certains points que... dans l'idéal, un vaccin idéal, et c'est possible, en théorie, ça devrait aussi réussir à bloquer l'infection, idéalement. Idéalement, oui, parce que il y a plus de, enfin, c'est plus difficile d'être vecteur, c'est plus difficile d'être infecté, donc ça doit rendre les choses un petit peu difficiles et ça permet de protéger les gens qui auraient une réponse immunitaire un petit peu plus défaillante et tout ça. C'est un peu le concept de l'immunité collective, hein. C'est-à-dire que chez les gens qui ont une immunité un peu bof, c'est le fait que le virus puisse pas avoir accès à eux qui empêche entre guillemets les infections. Il y a juste beaucoup de parallèles par le grand public entre le virus grippal et le coronavirus. Est-ce qu'on peut éclaircir peut-être un petit peu ça, ces deux virus qui sont complètement différents, à la fois dans leur présentation et dans leur profil de mutation? Tu veux en parler un peu, Pauline? Tu as travaillé dessus, je crois. C'est... Tu as travaillé sur le cochon. Je suis pas virologiste, mais j'ai des bases. En gros, oui, ils sont pas de la même famille. T'as la famille des coronavirus, c'est une chose, et la famille des influenza, c'est autre chose. Ils ont des similarités, ben déjà tout simplement la voie d'infection et, le tropisme, et ouais voilà, et le la réponse que tu vas avoir derrière, en fait en soi c'est assez similaire, mais oui, ils sont très différents dans leur façon, enfin dans leur, comment dire, dans leur structure. Donc le virus de la grippe, par exemple, on sait qu'il est capable de muter. Ça, je pense que tout le monde l'a bien en tête. C'est la raison pour laquelle on doit refaire un vaccin différent tous les ans. C'est parce qu'on sait que dans la famille des grippes,
Il y en a plein. Elles ont, donc typiquement, quand je vous parlais des petites protéines d'enveloppe, là, les spikes qui sont autour du virus, chez la grippe, tu as des H et des N, d'où le H1N1, mmh. H5N1, H3N2. En fait, tu as plusieurs H et plusieurs N, et tu peux en avoir des différents à chaque fois, qui vont se combiner différemment. Et ma glutinine, neuraminidase, je les ai sortis. Exactement, c'est ça, H1N1. Je l'avais, mais j'ai voulu simplifier, merci. Et ouais, du coup, la grippe, on sait qu'elle peut, non seulement elle peut muter, et elle peut aussi se combiner. Donc si chez un individu, tu as un H3N2 qui est venu d'un côté et un H1N1 de l'autre, tu peux avoir une recombinaison et pouf, un nouveau virus émerge. Ça, c'est dû à leur façon de se répliquer dans les cellules. C'est intrinsèque à la grippe. Les coronavirus, on sait que ça mute beaucoup moins. Ça mute aussi, bien sûr. Un petit peu, en fait, t'es obligé parce que, comme disait Primum, c'est comme si t'avais une bibliothèque et ensuite t'as quelqu'un qui le relit et qui le retranscrit. Donc, des fois, t'as des erreurs, ça c'est basique, mais tu peux avoir plus ou moins d'erreurs selon la machinerie du virus, en fait. Et chez les coronavirus, il y en a vraiment pas trop. Et là, pour l'instant, le virus qui circule, il y a eu quelques mutations, mais vraiment mineures, en fait. Il n'y a pas eu de gros changements. Donc, et typiquement, il n'y a pas eu de gros changements sur la fameuse protéine qu'on vise dans les vaccins, du moins pas sur les parties qu'on vise. Donc, pour l'instant, si on avait sorti un vaccin, si on avait été omniscient et qu'on avait impression, et qu'on avait sorti un vaccin avant la pandémie, il serait toujours efficace sur les souches qui circulent actuellement. Et les probabilités font que ça devrait continuer pendant un bout de temps. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment pas de bol qu'il y ait un jour une mutation juste à l'endroit où on vise avec le vaccin, quoi. D'accord. Alors que la grippe, clairement, on sait que ça continue de muter. Parce que l'endroit que tu vises avec ton vaccin, cette protéine spike, c'est une protéine qui est aussi essentielle au fonctionnement du virus. C'est-à-dire que si ça marche moins bien, cette protéine spike, ça ne marche plus, ton virus. Exactement. La merde, en fait. La théorie de l'évolution reprend ses droits. C'est ça. En fait, il faut vous imaginer que donc, un virus qui infecte une cellule, il va relarguer tous ses outils pour se répliquer dans la cellule, et la cellule va se mettre à lire le matériel et produire tous les outils, enfin toutes les parties de nouveaux virus, et elle va envoyer plein de nouveaux virus comme ça dans le corps. Si de temps en temps, elle se plante, soit elle va se planter et faire un truc où du coup ton virus il sera tout guingois, il marchera plus et celui-là il va juste crever parce qu'il sera pas capable d'infecter une nouvelle cellule. Donc en gros cette mutation, personne sera jamais au courant qu'elle a existé un jour parce que le virus soit il sera carrément pas sorti de la cellule ou alors il sera sorti puis il aura rien fait et il aura été bouffé tout de suite. Soit ça va être par un grand hasard une mutation qui fait que soit il arrive encore mieux à s'accrocher à une nouvelle cellule ou il va réussir à se multiplier encore plus vite, et là, ça peut le sélectionner. Et ça fait que ce virus qui aura une erreur, mais bénéfique, dans sa structure, va réussir à mieux proliférer, et du coup, chez la personne qu'il a, il va diffuser peut-être plus de virus, peut-être plus longtemps, ou peut-être en quantité plus grande, et il va peut-être réussir à générer un nouveau cluster avec un nouveau virus, un virus modifié. D'accord. Mais ça, c'est... Et ça, tu... Ouais. Et ça, on ne l'a pas observé, là, pour l'instant. Observé ce genre de phénomène. Alors, si, il y a eu des nouveaux variants, c'est ce qu'on appelle. Donc, pas des... Ouais. Tu n'as pas eu un changement radical du virus, mais tu as eu des variants qui ont des petites modifs, mais qui changent en soi pas grand-chose, quoi. Du moins, ça ne change pas du tout la partie contre laquelle on vaccine. D'accord. C'est comme si tu avais une Audi A4 bleue et une grise et une avec... Voilà, il n'y a pas grand-chose de fou. Mais effectivement, elles sont pas pareilles. Ouais. Voilà. Mais ça reste A priori, donc va y avoir des études quand même sur le long terme pour voir un peu ça. Mais après, ces variants, ils peuvent peut-être avoir d'autres spécificités. Peut-être qu'ils vont être qu'un variant va par exemple être pour une raison ou pour une autre plus un peu plus dangereux que le précédent pour les enfants ou pour les personnes âgées ou pour ça. On va le savoir avec le temps en fait en regardant l'historique. En fait, ce qu'on fait, c'est que ce qu'on c'est vraiment la communauté scientifique en général, c'est qu'on le suit beaucoup, ce virus. Donc, il y a régulièrement des patients dont on garde les échantillons qu'on a prélevés en écouvillon nasal pour pouvoir regarder la séquence du virus et pour pouvoir suivre en live est-ce que cette séquence évolue ou pas. Et donc là, avec les années de pull et en permanence, là, il y a des articles qui sortent et qui regardent déjà depuis décembre l'année dernière l'évolution de la séquence sur les différents continents, etc. Et donc, avec le temps, on va voir si certains changements dans la séquence ont fait
changer un peu les passions, par exemple. Donc ça, on le verra avec le temps, quoi. Mais en tout cas, vraiment, pour l'instant, il n'y a rien qui a changé la partie de la protéine spike qui nous intéresse. Évolutivement parlant, en fait, c'est quoi un virus efficace ? Enfin, pour moi, il ne faut pas qu'il tue trop, sinon... Il faut qu'il se reproduise bien, mais qu'il ne tue pas trop. C'est quoi c'est... Enfin, c'est exactement ça. Il faut qu'il puisse se reproduire facilement et en nombre, mais sans buter toutes les cellules sur son passage et sans buter la personne trop rapidement. Tu vois, par exemple, les épidémies, les précédents coronavirus, le SARS et le MERS, ils avaient des taux de létalité beaucoup plus élevés que l'actuel. Et ils ont été arrêtés très vite, qu'on les a repérés très très vite, parce qu'en gros, à peine ils sont partis, ils ont tué des gens sur leur passage, donc dans les hôpitaux tout de suite, on s'est dit, oula, attends, il y a plusieurs cas, c'est bizarre, voilà. Donc de un, si t'es malade tout de suite, genre très malade, tu sors plus, et donc tu n'infectes plus les gens autour de toi, et ça pour la fitness du virus, voilà. Donc pour la fitness du virus, c'est pas bon. Donc il va avoir tendance à s'éteindre plus vite juste parce qu'il n'aura plus l'occasion de se projeter. Et dans le monde actuel, c'est aussi que ça va être plus facile, entre guillemets, à maîtriser. Parce que si tu le repères hyper facilement tout de suite, tu peux tout de suite bloquer tout. Enfin, vraiment isoler les cas contacts. Et là, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. Enfin, là, c'était en Chine le départ, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Parce que là, tu vois la mortalité actuelle. Bah en fait, au moment où ils ont eu les quelques patients qui n'allaient pas bien, probablement qu'en fait, il y en avait déjà des centaines ou des milliers autour qui étaient asymptomatiques et qui se baladaient déjà. Donc oui, ils ont confiné des gens et oui, ils ont isolé des cas, mais en fait... Donc c'est presque contre-intuitif, le virus dangereux, c'est celui qui n'est pas dangereux. Enfin, c'est celui qui est fourbe. Ouais. C'est pas forcément le plus mortel. Ouais. Ça va être une question de proportion. Soit tu as une létalité qui est faible, mais tu as une infectiosité, c'est-à-dire la capacité de t'étendre qui est vraiment très importante. Et du coup, en proportion, même si tu tues pas beaucoup de monde à chaque fois, mais tu tues pas mal de monde parce que tu es très, très, très infectant. Ou alors tu es très mortel, donc tu tues très fort, mais une quantité de personnes relativement réduite. Donc voilà, c'est un dosage. Mais ce qui marche bien pour un bon virus, là, pour qu'il soit bien efficace, c'est le portage asymptomatique infectant, c'est-à-dire d'être porteur du virus aérien, et de pouvoir infecter les gens comme ça, et d'avoir un mode de diffusion qui soit privilégié, qui soit facile. C'est-à-dire que quand tu diffuses que de manière sexuelle, il faut quand même que tu aies un contact intime avec la personne, ça limite un petit peu ton infectiosité. Tandis que si tu peux le choper en discothèque en roulant une pelle à madame ou en étant confiné dans un resto, marche plus efficace. Donc il y a ça. Voilà, c'est un chat, effectivement. Un chat. Donc voilà. Donc ouais, non, le virus grippal, rien à voir avec le coronavirus. Hein. Donc il y a une question qui peut se poser, qui est assez logique et à laquelle on n'aura pas de réponse, évidemment. C'est le virus antigrippal, il faut se vacciner tous les ans. Hein. D'autres virus, il faut se vacciner, il faut faire des rappels, tout ça. Comment ça va se comporter pour le vaccin contre le Covid qu'on ne connaît pas encore, comment ça marche ? Alors, si on doit le refaire régulièrement, ce ne sera pas pour la même raison. Parce que le vaccin antigrippal, le souci, c'est vraiment que tous les ans, on est quasi sûr qu'il va y avoir de nouvelles souches grippales qui n'étaient pas là l'année d'avant. Et donc, le vaccin de l'année d'avant, même si tu as encore des anticorps, ce ne sera pas les bons. Alors, en plus, je t'avoue que je n'ai pas en tête combien de temps durent les anticorps avec le vaccin grippe. Je crois que ce n'est pas foufou, ce n'est pas vie non plus. Mais bon, tu as ce problème-là, des nouvelles souches. Là, avec le coronavirus, comme je vous disais, c'est possible, mais il n'y a pas de grosse probabilité qu'on ait des nouvelles souches vraiment nouvelles au sens complètement modifié tous les ans. Par contre, on ne sait pas encore si ces vaccins vont induire une réponse durable. Donc là, ce qui est sûr, c'est que sur les Moderna et Pfizer, etc., déjà, il faut deux injections pour induire une bonne protection. Donc déjà, ça, c'est en période de pandémie, avec un climat un peu anti-vax, c'est pas idéal, parce que ça veut dire que tu dois vacciner les gens deux fois, faut qu'ils viennent une deuxième fois, à un temps précis par rapport à la première fois. Donc déjà ça, et on n'est pas encore sûr sur ces vaccins-là, parce que là vous voyez, on suit les résultats en live et on est juste après la deuxième injection chez les patients qu'ils ont suivis. Donc on ne sait pas dans un an si ces patients ils auront encore des anticorps ou pas. On ne sait rien. Ouais, là ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous demandez est-ce que l'immunité va durer 10 ans, on n'en sait rien. Est-ce qu'il va falloir se vacciner, on n'en sait rien. Est-ce que ça va être très efficace ? On n'en sait pour le moment rien. Et si c'est quoi les effets secondaires ? On n'en sait rien.
Ceux que vous pouvez anticiper de manière basique, c'est oui, voilà. comme celui contre la grippe, c'est un peu mal au bras et un petit syndrome grippal, un peu de fièvre. Parce qu'en fait, syndrome grippal, c'est juste votre réponse immunitaire. C'est un peu de fièvre et de la fatigue. D'ailleurs, c'est un marqueur. C'est-à-dire que si vous avez une belle réponse inflammatoire après l'injection de votre vaccin, ça signifie que probablement vous allez avoir une réponse immunitaire un peu plus forte. Et donc, c'est plutôt un signe positif. Je ne sais pas si ça marche dans 100% des cas. En théorie, dans 100% des cas, non. Mais si on a une réponse inflammatoire, c'est-à-dire qu'on a attiré plus de machin, on sait qu'on aura une réponse. Voilà. Si vous n'avez pas de réponse inflammatoire, bon, c'est possible que votre réponse elle soit moins forte ou pas du tout, quoi. Enfin, chez patients immunodéprimés. Oui, je sais, c'est très théorique. On peut nuancer autour de tout ça, Pauline. Je le sais. Il y a tu as raison. Tu as raison. On nuance ces propos, mais voilà. Je suis désolé, je suis pas immunologue, mais voilà. Un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que plein de gens s'inquiètent et disent « Mais pourquoi ça prend 10 ou 15 ans pour faire un vaccin et puis maintenant, ça prend 6 mois ?» C'est-à-dire qu'en fait, on peut attendre 10 ou 15 ans si vous voulez. Moi, ça ne me pose aucun problème, mais je ne suis pas sûr que vous trouviez l'histoire super cool. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont trop vite, ça veut juste dire qu'ils vont plus vite. C'est ça. Et là, en fait, quand je vous dis 10-15 ans, c'est vraiment si on part du tout début. Donc c'est vraiment depuis la partie in vitro sur tes cellules où tu vas faire des tests et essayer de produire parfaitement la bonne protéine. Oui, mais là, c'est pas la question, en fait. C'est que là, il y a beaucoup de pognon. Tout le monde, les gars bossent énormément plus vite. C'est pas du tout la même chose, quoi. C'est la course à l'échalote, comme tu disais. Il y a plein d'aspects. Il faut vraiment vous imaginer que, genre, moi, je suis dans un labo de maladies infectieuses et tous les gens qui travaillent, donc nous, c'est dans le public, hein, mais dans le privé, je suis persuadée que ça a été pareil. Quand ça a commencé, à partir de février-mars, on a arrêté tout le reste. Tout. On est passé 100% Covid parce que c'était la panique et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, en gros, toutes tes forces au truc, déjà, ben oui, ça va plus vite. Si tu as de la thune en plus, ça va plus vite. Et aussi, là, donc typiquement Moderna, Pfizer, la plateforme d'ARN messager, là, ça, c'est un outil fabuleux parce qu'en fait, c'est vraiment ta plateforme, elle est déjà là. Tu sais la produire, tout est prêt. Tu as juste à recevoir la séquence du virus. Et donc là, en gros, en décembre, ils ont isolé le virus à Wuhan, ils l'ont séquencé tout de suite et la séquence, ils l'ont donnée tout de suite à l'OMS. Et l'OMS l'a envoyé, l'a mis en ligne en fait, et a dit à tous les labos qui voulaient bosser dessus, voilà la séquence du virus, qu'est-ce qu'on fait ? Et en gros, les labos type Moderna et les labos publics qui travaillaient là-dessus, ils ont tout de suite pris, là en gros, il y a autre chose, on a un passif. Les coronavirus, on les connaît, enfin la famille des coronavirus de manière générale, on commence quand même à les connaître. On a connu le SARS, on a connu le MERS, mais on connaît aussi les coronavirus qui donnent le rhume tous les hivers, qui sont pas bien méchants et dont tout le monde se fout, en fait, mais on les connaît. Et on savait, par exemple, sur le SARS et sur le MERS, que c'est la protéine spike qui induisait la réponse immunitaire. Donc, ce que tous les chercheurs ont fait au début, c'est de faire le pari. Bon, bah, y avait un SARS qui était quasiment le même, mais un peu différent. C'était comme ça que se passait la réponse immunitaire. Ben, y a 98% de chances que ce soit pareil pour celui-là. Donc, en fait, en quelques jours, ça a été confirmé que la cible sur ce virus-là, c'était cette protéine-là. On ne va jamais aussi vite d'habitude. Enfin, tu n'as jamais le monde entier qui travaille sur le même truc en même temps et qui te sort tout de suite les données en live aussi. Parce que ça, ça a été un autre truc, c'est que dès le début de la pandémie, il y a eu des groupes de travail mis en place par l'OMS et principalement l'OMS, mais par un peu tout le monde, où tous les chercheurs qui travaillaient dessus se parlaient toutes les semaines. Nous, on avait des réunions toutes les semaines de l'OMS, donc organisées par l'OMS, mais avec tous les chercheurs qui travaillaient sur les mêmes trucs que nous, et toutes les semaines, tout le monde disait ce qu'ils avaient de nouveau, etc., de manière ouverte. Ça n'arrive jamais non plus. C'était arrivé pour Zika, un peu, et pour le chikungunya. Vous imaginez si on faisait la même chose avec la fusion nucléaire, comment ce serait trop cool. Mais pour tout. Ouais, non, mais pas à ce niveau-là. T'imagines si le monde entier faisait la même chose en disant on a 3 ans pour trouver le résultat de la fusion nucléaire, sinon on meurt. Ouais, peut-être. Ouais. Non. Ou alors on a 3 ans. Pour... J'y crois pas. On a 3 ans pour retrouver la solution pour arrêter le changement climatique si on meurt tous. Alors, ça serait déjà le cas, mais il faudrait qu'on en fait on fasse exactement la même chose en fait. C'est ça qu'il faudrait faire. C'est un truc de ouf. Et là, parce qu'il y a des durées incompressibles. Oui, bah, non, mais là, tu vois, il y a des trucs qui depuis quelques années se sont accélérés. Donc ce truc d'avoir une plateforme toute prête où tu as juste à rajouter le gène d'intérêt dedans et pouf, tu as ton vaccin qui est prêt. Il est prêt à être utilisé. Le fait que tout le monde ait tout arrêté pour faire que ça,
il faut vraiment vous dire qu'à partir de début janvier, y a, dans le monde entier, tout le monde s'est rapidement mis d'accord pour dire que ok, c'est Spike sur laquelle il faut travailler. Tu as ceux qui se sont dit, bah, moi je pars sur les vaccins qu'on connaît déjà, donc les virus, tu prends un autre virus, tu mets le gène dedans et puis tu le fais se répliquer. C'est ce qu'a fait la Russie, c'est ce qu'ont fait la Chine, etc. Tu as ceux qui ont dit, bah, moi j'ai ma plateforme d'ARN, je le balance dedans et puis voilà. Et tous ces gens, ils avaient déjà des expériences en cours sur d'autres choses. Et donc moi, je parle de ça parce que chez nous, c'était ça, on était en train de faire autre chose à ce moment-là, et on a dit, bon, bah, stop, on a tout le matos qui était dispo pour autre chose, bah, tout ce matos, on le met sur Covid maintenant. Donc, faut imaginer que Moderna, à ce moment-là, ils ont dû prendre les souris qu'ils avaient prévues pour autre chose, et ils ont testé le vaccin Covid. Ils avaient probablement déjà prévu des expériences sur le macaque pour d'autres choses, ils ont dit, stop, maintenant, on les vaccine avec du Covid. Tout le monde a fait ça. Donc, en gros, en 3 mois, tout le monde avait testé le truc sur les animaux. Et comme disait Primum, il y avait de l'argent. Parce que d'habitude, quand tu n'as pas de thunes et que tu dois faire des demandes de financement, bah, tu vas commencer par tester ton truc in vitro, tu vas essayer de faire des simulations informatiques pour être sûr que ton truc il a du potentiel avant de claquer des dizaines ou des centaines de milliers d'euros dans une expérience souris. Si chez ta souris, ça marche, enfin, tu vas attendre de savoir si ça marche, c'est la souris, avant de claquer une fortune pour tester chez le macaque. Mais là, il n'y a pas eu cette question. Il y a eu, les mecs, là, il faut que vous nous sortiez un truc, donc tester chez le macaque, si ça marche, bingo, si ça marche pas, on passe à autre chose. Donc en gros, tu vois, tout ça qui d'habitude prend déjà peut-être 3 à 5 ans, ça s'est fait en 2 mois. Juste parce qu'il y avait la thune, les moyens, et que tout le monde a dit, on s'en fout, il y a des risques, on le sait, mais on y va, quoi. Et ensuite, ben, les phases cliniques, ils ont fait un peu la même chose. D'habitude, tu fais ta phase 1 sur une dizaine de personnes, tu prends des semaines ou des mois pour analyser tranquillou tes résultats en sirotant ta tasse de café, tu fais un joli rapport tout bien ficelé et tout bien présenté que tu soumets à la FDA pour passer à la phase 2. Bah là, personne n'a bu du café, tout le monde a travaillé. Ah si, ils ont pris beaucoup. Nous, c'était ça aussi. Oui, beaucoup de café, mais pas juste tranquille. Pas siroté, quoi. Voilà. En et percusion. En gros, ils ont fait les phases 1 et 2 en même temps, donc ils ont tout de suite testé sur plus de gens, aussi parce que c'était des plateformes vaccinales qu'on connaissait déjà, en fait. On les avait déjà testées avec d'autres choses. On savait qu'il n'y avait pas d'effets secondaires à attendre, des gros effets secondaires, quoi. Donc, ils se sont permis de faire les phases 1 et 2 en même temps. Et en ce moment, bah, la FDA ou l'équivalent en Europe, en ce moment, ils font du Covid, quoi. Ils ne sont pas en train de traiter ton dossier avec 6 mois d'écart. C'est, tu leur envoies un dossier, je pense que dans les 24 heures, toute la FDA est au courant de ton dossier, tout le monde a lu le truc, tout le monde est au taquet. Dans la FDA, donc tout ce qui d'habitude prend des mois. Il faut de l'organisation. Oui, mais c'était juste... C'est... Oui, donc, faut vraiment que vous imaginez que... En France, on a une administration chiante, mais c'est pareil un peu partout. Et donc, d'habitude, des trucs qui s'étalent sur des mois et des années, là, ça a été réduit à... Mais on suit les étapes. Oui. Et donc, ça, c'est hyper important parce que ça reboucle avec des trucs qu'on a déjà dit pendant le premier confinement. Vous voulez gagner du temps, suivez les putains d'étapes. Vous pouvez les faire vite. Je vois pourquoi tu... Mais il faut suivre les putains d'étapes, bordel. On n'a pas supprimé d'étapes, c'est ça ? On a juste accéléré. On les accélère. Tu peux les accélérer, mais la médecine de guerre justifie au contraire de suivre les étapes à la lettre, parce que c'est en suivant le protocole, mais en le faisant vite, que tu vas obtenir des données pertinentes. C'est parce que justement, tu fais pas la souris, tu fais directement le macaque, mais tu suis les étapes directement, parce que bon, c'est juste une histoire de prix, hein, la souris et le macaque, c'est pas une histoire de... Bah après, en fait, de manière... Avant, quand t'es pas dans une pandémie, il y a plein d'aspects. Il y a l'aspect prix, oui, mais t'as aussi l'aspect éthique. On travaille pas sur le macaque comme on travaille sur la souris. Donc de manière générale, avant de soumettre un protocole chez le macaque, tu dois venir avec un dossier un peu sérieux pour dire qu'il y a des chances que ça marche avant d'utiliser des macaques. Donc, tu as le prix, tu as l'aspect éthique, etc. Mais là, comme je vous disais, tu avais la vie de millions de gens en jeu, quoi. Donc, là, on était plus sur l'aspect, si vous avez un truc qui a du potentiel, et en l'occurrence, comme je vous disais, des structures qu'on connaît déjà, tu sais si elles ont du potentiel ou pas, ben, t'y vas, quoi. Il y a un truc que j'ai peut-être pas bien c'est compris. Bien. Là, toi, tu es dans le public, et moi, là, ce qu'on entend à la télé, c'est que des trucs privés. C'est quoi l'articulation entre les deux ? C'est vous travaillez l'un pour l'autre ou... Alors, de manière... Est-ce qu'il y a du public qui cherche un vaccin ou pas ? Non, il y a bien aucun... sûr. Il y a des gouvernements qui ont assez d'argent pour ça. Toutes les équipes publiques qui travaillent de manière générale sur des vaccins ou des virus travaillent actuellement sur. Mais des pas vaccins. Toutes de leur. Peut-être la force, c'est de ne pas être chacune de leur côté, peut-être. Genre, toutes les équipes européennes sont peut-être ensemble dans une seule grosse équipe. Alors, non, parce que tu continues à travailler dans ton labo. C'est juste que les données ont été partagées tout de suite, très vite. Voilà. Et ça change tout.
à la fois dans ces réunions que je vous disais, mais aussi là, on a utilisé à outrance les plateformes de préprint, ça s'appelle. Donc, c'est d'habitude, enfin, dans beaucoup de domaines de la recherche, tu as un peu peur de montrer tes résultats avant qu'ils soient publiés dans une grosse revue parce que tu as peur de te les faire piquer et que quelqu'un d'autre les publie avant toi. Donc, de manière générale, dans la recherche, tu as plutôt un climat un petit peu sur la réserve où, ouais, au moment où tu donnes tes données à tout le monde, tu es déjà quasi assuré qu'elles vont s'apprêter à sortir dans un gros journal. Là, depuis le début de la pandémie, tout ça, ça a un peu disparu. Et en gros, tout le monde écrit des publis et les postes sur des sites de préprint. Donc en gros, les publis n'ont pas encore été évalués par un comité de leurs pairs, comme d'habitude. Donc il faut prendre tout ça avec des pincettes parce que tu as pléthore d'informations, mais il y a sûrement de la merde dedans, hein, très clairement. Mais donc tu as le positif et le négatif. Tu peux tout sortir sans que ce soit validé, mais ça veut aussi dire qu'au tout début, tout le monde avait besoin de données et elles sortaient tout de suite. Donc tu pouvais, tout le monde n'avait pas besoin de reproduire les mêmes expériences au début parce que tu savais que machin était en train de le faire, donc tu attendais qu'il ait ses résultats, tu fais « Ok, c'est ça les résultats, très bien, moi j'attaque la suite. » Là, je schématise dans un monde idéal, il y a quand même des gens qui ont reproduit les mêmes expériences parce que tout s'est lancé en même temps, mais en tout cas, il y a eu ce truc de partage. Et donc les équipes publiques, c'est le noyau du truc, hein. C'est des équipes publiques qui vont souvent innover, trouver des nouvelles structures, trouver des nouveaux trucs, et elles n'ont juste pas les moyens logistiques de faire des essais cliniques et de produire du vaccin. Donc une fois que tu as un truc qui a l'air de marcher, il faut forcément que tu t'associes avec une entreprise qui a une chaîne de production et qui peut gérer un essai clinique. Okay. Et ça a été le cas pour plein de vaccins. Je sais qu'à l'Imperial College à Londres, c'est complètement public, ils ont un candidat là qui est en train qui est en partenariat avec une boîte. Mais eux, au début, ils étaient tout seuls, tu vois. C'est que quand c'est devenu prometteur, ils ont trouvé une boîte qui les a aidés. Et après, bah, tu as les grosses boîtes type Sanofi ou Pfizer qui ont un gros département en recherche et développement aussi, qui travaillent de leur côté. Mais souvent, ils ont quand même des partenariats avec des équipes publiques. D'accord. Qui ont des chercheurs et de la main-d'œuvre. C'est là qu'on peut être relativement rassuré sur l'histoire de oui, le vaccin, complot mondial, machin. S'il y a à partir du moment où il y a quatre entreprises différentes qui veulent produire un produit différent, avec d'un côté des Russes, de l'autre côté des Américains, puis des Chinois, globalement, les mecs n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Hein. Donc, et là, ce n'est pas quatre. Hein. C'est, oui, non, c'est mais des tu vois ce que je veux dire. Là, déjà, on parle d'un vaccin chinois, d'un vaccin russe. Et d'un ou deux vaccins américains, européens, globalement... on est sur de la concurrence. Ouais, voilà, les mecs, ils sont plutôt concurrentiels, comme, voilà, ils sont pas là à se dire, oui, nous allons contrôler le monde avec nos vaccins, bien sûr, non, faut arrêter un moment ou un autre, ça reste des entreprises, ils sont là pour faire du pognon, hein. C'est quand même très rassurant de voir qu'il y a des dizaines de vaccins qui vont être produits, qui vont être sur le marché très prochainement. D'ailleurs, on n'a pas de date, on ne sait pas trop, mais probablement début d'année 2021, si j'ai bien compris. Enfin, voilà. Mais c'est assez chouette, parce que même s'il y en a un qui daube, même s'il y en a un qui est naze, même s'il y en a un qui te transforme en rat mutant, ça ne sera pas le cas, mais voilà. Au moins, vous avez des alternatives, il y aura des possibilités, il y aura des trucs. Moi, je trouve ça ultra, ultra bien, quoi. Enfin, ça me rassure de ouf, en fait, le fait que ça se bat et qu'ils sortent tous, ils sont tous en train de popper les uns après les autres. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Enfin, il y a eu beaucoup de suspicions, d'ailleurs, ce qui m'a fait beaucoup rire, sur le directeur de Pfizer, je crois, qui a vendu toutes ses actions en suivant la publication de ses premiers résultats. Le type est quand même au courant qu'il y a 25 vaccins qui vont sortir derrière et probablement des plus efficaces que le sien. Donc, c'est pour ça qu'il vend à ce moment-là, hein, mais enfin, voilà, entre nous. Mais voilà, il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas d'histoire de gros sous. Le mec publie ses résultats, il encaisse et il attend que le merdier arrive. Hein. Désolé, hein, c'est le capitalisme, c'est moche, mais c'est comme ça. Bon, puisqu'on est là à parler pognon, est-ce qu'on parle pognon dans la recherche maintenant ou on attend qu'on nous lance sur le sujet ? Alors, moi, je ne suis pas dedans, mais apparemment, c'est pas jojo. Non, mais parce qu'à un moment ou à un autre... Tant qu'à parler des trucs, autant y aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on attaque directement le chapitre Bill Gates ? Oui, si tu veux. Hein. Non, mais parce que, en fait, moi, c'est vraiment un délire très particulier. Tout mais monde non, c'est pas ça. C'est parce que moi, quand on m'a l'a expliqué, je trouve ça extrêmement intéressant. Et je pense que c'est des choses qui doivent être dites. Parce que ces choses-là, on ne les entend pas. On entend beaucoup de conneries, mais on n'entend pas l'autre versant. On n'entend pas le versant. Et le but de cette émission, c'est donner la voix à ce genre de choses. C'est,
C'est l'instant complot. Amusez-vous là, parce que c'est effectivement c'est goldé. Donc. Pas que. Mais non, je trouve que c'est un mécène. Ça me fait rire. Moi, je trouve que c'est important, mais donc voilà, soit. Mais non, mais vas-y. Donc, Pauline, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les financements dont ton équipe bénéficie ou dont d'autres équipes peuvent bénéficier d'ailleurs ou quoi? Ouais. Il faut qu'on soit transparent. Il faut qu'on soit transparent. Oui, tout à fait. La transparence, c'est important. Donc, en gros, je vais commencer par comment ça marche d'habitude. Et là, la magie de Bill Gates qui est apparue pendant le Covid. D'habitude, nous, dans notre labo, mais en France de manière générale, on fonctionne principalement avec des financements publics français et européens. Donc, français, le principal organe qui va gérer les financements de recherche en France, ça s'appelle l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche. Et plusieurs fois par an, ils vont faire des appels d'offres sur des thèmes. Alors, soit c'est des thématiques un peu ciblées, soit ça va être ce qu'ils appellent des appels d'offres blancs, où tu peux soumettre tous les projets de recherche qui te passent par la tête. Et donc, tu écris des gros projets, tu justifies de ton expertise, de tes résultats passés, en quoi tu as des chances de trouver quelque chose si on te donne de l'argent. Tu justifies avec quoi tu vas... Enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Est-ce que tu vas recruter des gens? Est-ce que tu vas faire ci, faire ça? Tu as 10% de dossiers qui passent, de manière générale, à l'ANR. Et quand tu as un financement ANR, on est sur du... Alors, là, je vous dis un exemple depuis le début de la pandémie, on est sur des projets max à 100 000 euros. Ça aide beaucoup, mais en fait, quand tu fais typiquement de la recherche préclinique avec des animaux et à grande échelle, parce que là, il fallait aller vite, 100 000 euros, c'est parti en quelques semaines, quoi. Et surtout, si tu dois payer le salaire de quelqu'un avec, donc là, pendant la pandémie, c'était clairement pas le cas parce qu'on est sur un modèle de travail différent, mais d'habitude, tu vas recruter un doctorant ou un postdoc ou un thésard. Donc, quand tu payes un salaire de quelqu'un, vous imaginez bien, en brut, tu payes l'employeur, ben, tu es toujours entre 30 000 et 40 000, voire 50 000 euros. Donc, si on t'en donne 100 000, t'en restes déjà plus beaucoup pour la recherche. Ça, c'est comment ça marche d'habitude. Après, tu as les financements européens, où par contre, là, tu peux avoir des sommes beaucoup plus grosses, mais souvent, c'est aussi divisé entre plein d'équipes. Donc, au final, c'est pareil, tu es sûr de la centaine, 100 000, 200 000, parfois un plus, mais voilà, on est sur cet ordre-là. La Gates, la Bill and Melinda Gates Foundation, quand ils te sortent de la thune, typiquement dans une période pandémique où c'est la panique et où leur objectif principal en ce moment, c'est de trouver un vaccin et des traitements, on n'est pas sur les mêmes échelles. On est plutôt sur tu veux du 800 000, on te donne du 800 000, il n'y a pas de souci. Donc déjà, tu peux travailler beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Et ensuite, c'est surtout qu'eux-mêmes, ils ont de la thune, donc leur fondation, elle est hyper balèze, en fait, dans leur organisation. Ils ont vraiment plein de scientifiques qui sont calés sur plein de domaines différents, donc des gens qui ont fait des thèses et qui savent de quoi ils parlent, quoi. Là, depuis le début de la pandémie, ces gens-là assistent à toutes les réunions de l'OMS, etc., donc voient ce qui est en train de se passer dans le paysage de la recherche. En l'occurrence, comme ils assistent à vraiment plein de choses, je pense que c'est parmi les gens qui ont une des vues les plus globales de ce qui se passe dans la recherche contre le Covid, parce que, en fait, c'est con, mais ils ont des gens qui ont le temps de faire ça. Alors nous, vu qu'on a le nez dans le guidon à faire nos recherches, on a autre chose à foutre que d'aller assister à 3 réunions par jour pour écouter ce qui se passe aux 4 coins du monde, donc on ne le fait pas. Eux, c'est leur boulot. Donc déjà, ils ont des gens dédiés à essayer d'évaluer ce qui est en train de se passer, ce qui pourrait être prometteur ou pas du tout. Deuxième truc, c'est que comme ils assistent à tout ça, ils vont être capables de mettre en relation des gens en allant contacter 2 labos de recherche publics, par exemple, ou un privé et un public, j'imagine. Mais surtout, eux, en ce moment, ils financent surtout, de manière générale, ils financent surtout la recherche publique. Et ils vont pouvoir dire, tiens, toi, t'es capable de faire tel truc, mais t'es pas capable de faire la suite. Mais il y a machin qui sait faire la suite et qui sait pas faire ce que t'es en train de faire. On va vous organiser une réunion avec tous ensemble et on va discuter de ce que vous pourriez faire ensemble. Et on va vous le financer, si vous faites un truc bien. L'autre truc, c'est qu'ils sont eux-mêmes, ils ont proposé d'autres groupes de travail, justement, donc en voyant des équipes qui travaillaient sur des sujets similaires, ils ont dit, on va vous réunir et on va essayer de faire en sorte que vous vous lanciez pas tous dans les mêmes trucs en même temps, parce que c'est jeter de l'argent et du temps et de l'énergie par les fenêtres.
on va faire des groupes de travail sur des sujets hyper techniques, hyper pointilleux, quoi. Et vous allez nous faire ensemble une publi pour nous dire, OK, à partir de maintenant, tous les gens qui utilisent cette technique, ils l'utilisent comme ça. Comme ça, on sait que dans le monde entier, quand on va comparer des vaccins entre eux, comparer des études entre eux, vous aurez tous le même protocole, on sait qu'on regarde les mêmes trucs et que vous n'avez pas chacun fait votre petite sauce sur comment vous mesurez les effets. Et après, quand on compare, en fait, ce n'est pas comparable du tout parce que chacun a fait son truc, quoi. Donc ça, c'était hyper précieux. Surtout là, dans le cadre d'une pandémie où tout le monde travaille très vite, c'est essentiel, quoi, qu'on se raccorde un peu tous. L'OMS a fait ça aussi, mais disons que, comme je vous le disais, les Gates, ils ont juste de la thune, du temps, des gens pour faire ça. Et en plus, quand tu as un projet de recherche financé par leur fondation, ils te mettent à disposition des gens, des compétences qu'ils ont chez eux et que tu n'as pas forcément. Donc, par exemple, nous, c'était des gens qui font de la bioinformatique et qui sont capables déjà de prendre toutes les données qui ont été publiées pour l'instant, de computer tout ça et de te dire, pour faire ta manip, je te dis qu'il faut utiliser telle puissance statistique, il faut utiliser telle dose, tant d'animaux, tant de trucs pour que tu vois quelque chose. Et ça, nous, par exemple, dans notre labo, on n'avait pas cette compétence-là. Et eux, voilà, ils te disent, nous, on t'aide à faire ça, quoi. Donc, en gros, ils vont évaluer ton projet d'une manière hyper rigoureuse parce qu'en interne, ils ont des gens compétents sur tous les aspects. Et en plus, ils vont vachement t'aider. Alors que l'ANR, en France, tu vois, toi, tu vas écrire un projet, il va être soumis à des chercheurs, mais des chercheurs lambda, quoi. Je ne suis pas en train de rabaisser les chercheurs français, mais je veux dire, ils n'ont pas une équipe à l'ANR qui fait que ça. Ils vont demander à des gens experts de ton domaine de bien vouloir faire ça en plus de leur travail habituel. Et ces gens-là vont évaluer plusieurs dossiers, dire ceux qui paraissent les plus sympas, donner leur avis, et puis basta. Alors que là, tu as un vrai suivi des gens qui sont avec toi, qui sont compétents, qui te donnent leur avis, qui peuvent t'aider s'il te manque des trucs. S'il te manque des compétences, ils peuvent te dire, tiens, on connaît machin qui peut le faire, on va vous mettre en contact. S'il a besoin de thunes pour t'aider, on va lui filer de la thune pour t'aider, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est un catalyseur de recherche absolument incroyable que j'ai découvert avec la pandémie. On ne connaissait pas trop en France. Et c'est monstrueux ce qu'ils font pour la recherche, quoi. Alors moi j'ai juste une question. C'est toi qui, c'est pas toi quand je dis toi, c'est pas toi, mais c'est toi qui es allé les chercher ou c'est eux qui sont venus te chercher? Non. C'est eux. Ils étaient à toutes les réunions de la pandémie, de toutes les réunions organisées par l'OMS et d'autres parce qu'on avait plusieurs groupes de travail sur plusieurs thèmes. Il y a à chaque fois quelqu'un de leur fondation qui est présente et qui écoute, qui pose des questions, qui prend des notes. Et non, c'est eux qui sont venus voir plein d'équipes de recherche en disant vous avez des compétences intéressantes pour faire tel truc, vous c'est plutôt pour tel truc, ça vous dirait qu'on discute. Et en général, après, ils organisent plusieurs cycles de réunions, de discussions. Ils te demandent souvent de toi-même envoyer les idées de ce que tu comptais faire prochainement, est-ce que ça peut s'agencer avec ce que font les autres. Et ensuite, si ça génère un projet prometteur et intéressant, ils financent. Ça ressemble beaucoup à une entreprise de consulting. Enfin, il y a clairement un aspect consulting. Ils n'ont pas d'équivalent, quoi. Enfin, pas, peut-être. Si, probablement. Un équivalent, mais pas avec le même budget, quoi. Ouais, je pense qu'avec un budget pareil, c'est assez unique, quoi. C'est unique, d'accord. Mais c'est surtout ouf de se dire, les mecs ont une telle vision du sujet qui vont voir des équipes en disant on a besoin de vous pour faire ça parce qu'on sait que vous êtes compétents. Je trouve ça terrifiant. Terrifiant. C'est hyper bien, c'est-à-dire que les mecs sont ultra compétents, ils ont tout le matériel. Mais putain, c'est effrayant. Mais ce qu'on se dirait quand même, c'est qu'on aimerait que ce soit l'OMS qui soit blindé de thunes comme ça, plein pot, qui soit alimenté par tous les États de manière ultra vénère, et que ce soit eux qui fassent ça. Parce que finalement, si cette ONG décide, pour une raison ou pour une autre, que la pandémie balègue demain, c'est terminé, quoi. C'est ça qui me rend assez fou. Alors même s'ils décidaient d'avoir des dessins vraiment mauvais, pour le coup, c'est non, mais je trouve ça ultra chouette. Attention que ça existe, ça m'a impressionné, mais de mettre le destin du monde dans
Non, alors, dans une ONG là, par contre, comme ça. Ah, attends, non, mais il y a quand même plein d'autres financements. Hein. Y a, c'est oui, juste que oui. Nous, moi, là, j'en parle comme ça, un peu, je suis un peu ébahie parce que je ne connaissais pas, en fait. On n'avait jamais travaillé, enfin, moi, en tout cas, je n'avais jamais travaillé avec eux et je ne me rendais pas compte de la différence de moyens qu'il y avait. Mais après, non, bien sûr, là, depuis le début de la pandémie, on a eu plein d'autres financements. C'est juste que ce n'est pas à la même échelle et ce n'est pas cette structure. T'as pas un soutien comme ça des gens qui te financent, t'as pas un soutien, tu vois, scientifique, je veux dire, ou de compétences. Et voilà, enfin, c'est juste que ce fonctionnement, je le connaissais pas. Après, nous, on a eu des financements de plein d'autres moyens, de l'Europe énormément, de la France, ben oui, mais c'est juste que c'est pas les mêmes. Oui, mais c'est comme tu dis, par exemple, quand tu fais un projet ANR, c'est un truc complètement débile, tu l'as peut-être pas évoqué, mais grosso modo, si tu veux que l'ANR te file 100 briques, 100 000 euros, il faut que tu leur dises, bon, mais mon projet coûte 170 000 euros et je me suis démerdé pour récupérer les 70 000 euros de l'autre côté. Mais fin, concrètement, tu es obligé de monter des dossiers, des trucs administratifs, des trucs qui sont ultra chiants, qui prennent du temps, là qui aussi, te sollicitent, hein. C'est-à-dire que voilà, mmh. Mais là aussi, évidemment, et là on se rend compte qu'on peut faciliter largement ce truc juste parce que on peut, parce que le sujet on le considère porteur et puis voilà, et on s'épargne tout un tas de trucs, tout un tas de réunions fastidieuses et machin, tout un tas de réunions de validation de machin pour un projet qui peut être finalement même écarté, c'est-à-dire on peut te dire bah, en fait Balek, ton projet il relève pas de l'ANR, et il y a beaucoup de projets de recherche, oui. C'est pas tous les projets de recherche qui ont une ANR, hein. Enfin, non, je te dis c'est 10%, t'as 10% de réussite à peu près. C'est ça, donc tu as 90% des projets qui échouent malgré un dossier ficelé parce qu'ils ne sont pas considérés comme suffisamment porteurs, suffisamment importants. Et voilà, je trouve que ça donne une image relativement terrible de la recherche qu'on peut faire de manière standard. Et encore, l'ANR, c'est le top level de la recherche française. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais en labo, que je travaillais là-dedans, quand tu avais un projet qui était ANR, c'était ouh! C'est la folie, c'est un maximum d'argent qui tombe. Alors que tu te rends compte que tu peux développer 8 fois plus juste avec une fondation, une ONG un petit peu puissante et avec un mec un peu philanthrope, quoi. Je trouve ça fou. Ça me choque un peu. Ça me choque un peu à titre personnel. Oui. Je pense que c'est pas le rôle d'un seul mec très puissant de dire j'ai décidé que voilà. C'est le rôle des États, Après, il y a un autre truc aussi, c'est que, du coup, comme vous arrêtiez pas de parler de la GAIS dans vos lives précédents, j'ai regardé un peu sur leur site comment ça fonctionne. Mais donc, c'est pas Bill Gates qui prend ces décisions-là. Hein. Lui et sa femme, dans le conseil, alors je sais plus quel conseil, ils ont plusieurs conseils, mais ils ont surtout un conseil scientifique où il y a vraiment des scientifiques. Enfin, c'est vraiment des chercheurs. Et ils prennent des décisions. Tu vois, c'est pas Bill Gates qui est assis sur son trône et qui décide cette année, nous travaillerons uniquement sur la COVID. je comprends. C'est juste que c'est des trucs, à mon avis, on est en train de déposséder le rôle de certains États ou de machin. Après, que des philanthropes riches de ouf et trucs, ça c'est toujours vu dans. Enfin, au Moyen-Âge, il y avait Jacques Coeur, il y avait des gens comme ça qui montaient des cathédrales et machin parce qu'ils étaient farcis de thunes. C'est pas non plus une grande découverte, mais à cette échelle-là, je trouve que c'est particulièrement intense. Encore une fois, ils financent pas non plus. Enfin, nous, là, on a vu ça parce qu'il y a une pandémie mondiale et qu'il se trouve qu'on travaille sur le Covid. Mais en fait, la majorité des équipes du monde n'auront jamais de l'aide de leur fondation. Tu vois. C'est quand même un petit apport par rapport au système de manière générale qui finance la recherche. Mais il se trouve que là, forcément. Dans le cadre d'une pandémie, et ça a été le cas pour Ebola aussi, et pour Chikungunya, et pour la dengue, etc., quand il y a une situation d'urgence, le fait d'avoir des fonds comme ça, de cette ampleur à disposition, aussi avec les compétences derrière, ben oui, effectivement, là, il se démarque. Mais encore une fois, alors j'ai aucune notion de quelle tonne de thunes a été lancée dans la recherche contre le Covid de manière générale depuis le début, mais j'imagine que ce qu'a investi la GAIS dedans, ça doit être une goutte d'eau, parce que tous les pays du monde ont financé des kilos de projets, quoi. Et tu vois, là aussi, je te dis, l'ANR, c'est pas des gros montants, mais ils ont financé plein de projets. Aussi. Donc, nous, on a vu ce qu'on a évident. Eu, mais il y a plein d'autres projets qui ont eu des trucs. Donc. Non, mais c'est important, et évidemment, ouais, il faut le nuancer, tout ça, mais ouais, j'avais même pas idée, moi, que ça puisse avoir une telle force de frappe, je suis impressionné, ouais, vraiment, aussi, ouais. C'est fou, hein.
Bah, encore une fois, nous, on le voit parce que là, c'est... Enfin, là, c'est flagrant, mais je pense que vraiment, dans le paysage de la recherche de manière générale, c'est une goutte d'eau en vrai. Hors Covid, tu vois. Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus en faire tout un monde sur la vie de tous les jours. Non, mais ça Mais là, c'est existe. flagrant, ouais. Ça existe et il doit y avoir tout un tas d'ONG avec des philanthropes avec une thune flagrante qui l'utilisent d'une manière ou d'une autre. Mais Mais même voilà. en France, tu sais, quand tu travailles sur... Alors, surtout quand tu travailles sur des trucs en lien avec la médecine, tu as quand même plein d'associations de patients, par exemple. Où tu as, quand tu travailles sur une maladie spécifique, tu vas avoir les associations de patients qui ont de l'argent de mécènes, mais aussi juste de patients et qui vont faire comme le SIDAction ou des trucs comme ça, qui vont faire du démarchage, qui vont avoir plein de dons. Eux, ils financent aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Oui, ben on a l'ARCEP pour la sclérose en plaques qui est très Ouais. active et qui va fortement influencer les sujets de recherche avec leur donation et leur dotation sur certains projets. Ça existe, oui, effectivement. Ouais. L'insuffisance rénale aussi, il y avait pas mal d'associations de patients Surtout. aussi qui influencent sur énormément de choses. Ouais. Oui. Tu Et as tout à fait tu raison. vois, sur ce sujet-là, sur l'influence que ça peut avoir, il y a quand même un truc paradoxal, c'est que quand il y a eu l'annonce du fait que c'était un coronavirus, je ne sais pas si vous aviez vu passer ça, mais il y a plein de chercheurs qui ont dit, bah, en même temps, on l'a annoncé. Il y a plein de publics scientifiques depuis des années qui disent que c'est un scandale que la recherche sur les coronavirus se soit arrêtée au niveau mondial, parce qu'on sait très bien que s'il y a un virus qui a un potentiel, enfin une famille de virus qui a un potentiel pandémique, en dehors de la grippe, c'est les coronavirus. Tout le monde le sait dans le milieu de la recherche depuis toujours. Et quand on dit que la recherche sur les coronavirus s'est arrêtée, c'est général. C'est tous les organismes de financement du monde, quelques années ou quelques... Alors si je pense années, pas mois, mais quelques années après le SARS, ont juste sont passés à autre chose. Et donc tu vois, c'est pas... Enfin, c'est pas un organisme, c'est pas Bill Gates tout seul, ou c'est pas un truc tout seul qui... Comment dire, qui shape, comment dire, qui organise, enfin qui donne le paysage de la recherche à un moment donné, c'est parfois tu as des tendances mondiales de financement qui peuvent faire une grosse erreur. Donc là, il y a eu une erreur à un moment de dire les coronavirus, on s'en bat les couilles, on arrête de financer ça, et tout le monde a arrêté de bosser dessus. Toutes les équipes qui bossaient là-dessus ont dû changer de sujet parce qu'elles n'avaient plus de financement. Et ça a été une erreur, tu vois, mondiale, de tout le monde en même temps. Et après, tu as des raisons. Hein. Entre-temps, il y a eu d'autres épidémies, donc ils ont lancé des financements sur d'autres trucs. Il y a un autre truc, c'est quand tu parles des maladies qui ne nous touchent pas, nous, sous-entendu les riches du Nord, ben, tu vois, la recherche sur le paludisme ou les trucs comme ça, c'est pas très financé, parce que ça ne nous inquiète pas encore. Et quand C'est ça nous ça. inquiétera, il va y avoir masse de thunes. Et c'est pas ça, c'est pas encore une fois, c'est pas Bill Gates qui a le pouvoir de décider ça, c'est de manière générale tous les organismes de financement qui bon, doivent choisir quoi. Mais rassurez-vous, avec le réchauffement climatique et le fait qu'il y ait du moustique-tigre un petit peu partout en France, normalement, on devrait en entendre parler du paludisme Je vais dans les prochains tellement bien en épisodes. Normandie, putain. Je suis à la Nouvelle-Côte d'Azur. C'est humide en Dans Normandie. mon sud, on a des moustiques gros comme ça. Hein. Enfin, non, non, c'est pas bien. Mais pour l'instant, il n'y a pas de palu. Mais ça viendra. Et on aura l'air con à ce En fait, moment-là. non, c'est pas que ça viendra, ça reviendra. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, Alexandre le Grand était touché par le paludisme à l'époque, dans ces zones marécageuses, tout ça. Donc, non, non, c'est pas quelque chose qui est si vieux, finalement, le palu. Bref, eh Non, ben, là. on a fait un joli tour. Hein. Mais ça fait ouais, C'est 2 heures qu'on déjà, y est déjà. ça fait 2 heures, on est pas mal, et on a été bien, bien épais, c'est pas mal. Alors, on va laisser le chat poser 2-3 questions. J'en profite pour passer 2-3 petits messages qu'on m'a demandé de parler vu qu'on parle de vaccins. Si vous cherchez des informations, il y a 2 groupes Facebook que vous pouvez suivre qui sont Covid-19 Fédération. C'est du serious business, les mecs partagent de l'information, débunkent ce qui a besoin d'être débunké, font remonter de l'information, c'est très,
taf très sérieux, donc Covid-19 Fédération sur Facebook. Et concernant la vaccination en particulier, il y a un groupe qui est très sérieux, qui agit depuis très longtemps et qui est difficile à trouver parce que maintenant Facebook bloque tous les groupes où il y a le terme vaccin dans le titre, mais bon, voilà, il existe. C'est Vaccin France, Information et Discussion, donc Vaccin France, Information et Discussion, parce qu'il existe un autre groupe qui s'appelle Vaccin Information France, qui lui est un repère de complotistes. Donc c'est vraiment Vaccin France, Information et Discussion. Et vous trouverez toutes les réponses que vous voulez, vous pouvez poser toutes les réponses que vous voulez, en anonyme, pas en anonyme, et les gens y sont bienveillants, et vous aurez toujours des réponses et jamais de jugement ou de quoi que ce soit. D'accord ? C'est vraiment, même les questions qui pourraient paraître les plus absurdes seront toujours répondues avec la plus grande bienveillance et les explications les plus pertinentes. Le board de gens qui sont dedans sont pour partie des experts et ont tellement poncé le sujet et ont tellement de bibliographies que vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors c'est pareil pour Covid-19 Fédération, mais le groupe Vaccin France existe depuis beaucoup plus longtemps. Oui. Je plus sois. Allez-y les yeux fermés. Ouais, c'est des mecs qui sont adorables et qui bossent ultra bien, donc on soutient. Voilà. Donc voilà. Après, effectivement, on n'a pas de réponse sur tout. Vous nous demandez combien de temps il va falloir se vacciner, s'il va falloir se revacciner, tout ça. C'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Patientez, ça viendra. On vous le dira, on verra tout ça, on avancera. D'accord ? Là... Mais, en tout cas, c'est très cool d'avoir cette. Là. La rate, non, parce que j'ai une question sur la rate qui est venue plusieurs fois. Quelqu'un qui a pas de rate et l'interaction avec les futurs vaccins. La rate, ça pose surtout des problèmes pour les germes qu'on dit encapsulés. C'est surtout pour les problèmes bactériens. Donc là, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas beaucoup de. Ça passe pas par la rate, les vaccins, donc on s'en fout un peu. C'est juste que la rate permet de lutter d'une certaine façon contre certains types de bactéries. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu compliqué. Mais il n'y a pas de problème. La preuve, c'est si vous n'avez pas de rate, vous avez probablement été vacciné contre le pneumocoque, qui est donc un vaccin, et donc il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, on se débrouille. Il y aura certaines précautions à prendre sur certaines populations vis-à-vis du vaccin. On verra bien. Donc, après le planning assez simple, pour faire simple, quand la vaccination sera disponible, il y aura, à mon avis, une vaccination qui sera sélective, c'est-à-dire qu'on va choisir des personnes qui vont d'abord être vaccinées, hein, sur le plan, très probablement les professions exposées, c'est-à-dire principalement les soignants, probablement certaines populations qui sont un peu plus à risque, et en général, ça sera, dans notre cas, les vieux, les gros, les diabétiques, les hypertendus. Donc, si vous êtes dans ces cadres-là, probablement que le vaccin vous sera proposé à titre préventif. Il y aura probablement d'autres castes, les insuffisants cardiaques, les insuffisants respiratoires, les insuffisants rénaux, qui sont un peu plus à risque. Et on va commencer les premières phases de vaccination par ces personnes-là. D'accord ? Et dans un second temps, effectivement, quand on aura plus de doses disponibles, on essaiera très probablement de rentrer dans un cadre de vaccination global, c'est-à-dire qu'il y en aura pour tout le monde. Et on va essayer d'en diffuser le plus possible. On aura déjà un petit peu de recul à ce moment-là. Mais voilà, ça va se faire sur les mois qui viennent. Vous patientez et on verra vite comment il sera. Le gouvernement a tout intérêt à ce que la vaccination soit la plus générale possible. Et la plus transparente possible. Générale, et la plus transparente possible pour favoriser l'adhésion des populations. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ce qui se passe, comment ça se passe et comment ça se fait, l'adhésion risque d'être moins forte. Est-ce que l'adhésion, je l'ai vu passer beaucoup, est-ce que l'adhésion risque d'être moins forte ? Probablement. Si vous avez tout un discours complotiste qui se structure, si vous avez une défiance généralisée, si vous avez la parole médiatique, la parole politique qui devient beaucoup plus, je ne sais pas, emmerdante vis-à-vis du vaccin ou qui pose énormément de problèmes à ce niveau-là, ça va être compliqué. Ça ne peut que l'être de toute façon. Et on a déjà certains politiciens, notamment Rivasi ou des gens comme ça, qui sont déjà préprogrammés pour être casse-couilles vis-à-vis du vaccin alors qu'on n'a pas encore sorti, on n'a pas de recul dessus. Donc oui, ça risque d'être un petit peu difficile, mais en réalité, vu ce qui se passe avec la vaccination antigrippale, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une recommandation un peu plus forte qui a été émise et que du coup, il y a eu des pénuries généralisées de partout, ça nous laisse à penser que quand même, dans sa majorité, dans la plus grande proportion de la population, le concept de la vaccination est quand même globalement accepté et que la phase guillemets, qui va dire non est relativement mineure dans la population. Les gens ont assez bien compris qu'il n'y avait pas de porte de sortie en dehors du vaccin.
Donc, les gens ne sont pas cons. Hein. Si on leur explique un peu bien, ça devrait bien se passer, mais il va falloir faire acte de beaucoup de pédagogie et de beaucoup de réflexion à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Pauline, vis-à-vis de tout ça. C'est plus politique, hein, mais... Si, si, tout à fait. En fait, c'est une des craintes. La défiance pour se vacciner la première fois, mais c'est aussi l'effet que ça va avoir, parce que comme on vous a dit pendant tout le live, là, on n'est pas à l'abri quand même qu'un des vaccins ou même plusieurs des vaccins, quand on les aura testés sur vraiment un grand, grand nombre de personnes, s'avère avoir un cas sur 1 million qui a un effet secondaire. Ce n'est pas impossible. Ça peut arriver. Et en fait, le souci, c'est qu'on sait déjà qu'en France et dans d'autres pays, il y a déjà une défiance. Il y a une défiance contre les vaccins, mais aussi de manière générale contre le gouvernement. Et donc, ce qui va être compliqué et que le gouvernement doit vraiment prévoir dès maintenant, c'est de bien expliquer ce risque, de bien expliquer qu'on est conscient qu'il y a ce risque et qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas l'éviter, c'est impossible. On ne peut pas attendre 5 ans ou 10 ans avant de vacciner tout le monde et que c'est le confinement ou ça. Et qu'il faut bien préparer ça, parce que le jour où ça va sortir et on va avoir ses premiers effets secondaires, c'est clair que ça va être du pain béni pour les complotistes et que ça risque de nouveau d'enfoncer encore le clou de la méfiance qu'ont les Français envers le gouvernement sur tous les aspects de santé. Et en fait, on le voit un peu venir gros comme une maison, parce que là, on est dans le jus, là, on est dans les confinements, on est dans la fatigue générale et tout le monde attend le vaccin et probablement qu'il y aura une bonne partie de la population qui va se faire vacciner. Mais d'ici 3, 4, 5 ou 10 ans, quand tout ça sera retombé, qu'on aura oublié ce que c'était les confinements, qu'on aura oublié l'ambiance actuelle et qu'on aura des cas qui vont sortir, eh ben, ce sera une autre paire de manches. Les gens vont plus avoir l'aspect négatif, enfin ne vont plus avoir l'aspect positif de ouf, on a un vaccin, et vont avoir que le oh, non mais tu vois, en fait, il y avait des effets secondaires, ils nous l'ont caché, alors que non, on ne l'a pas caché. On était conscient au début qu'il y avait cette possibilité, mais on ne pouvait rien faire, quoi. Oui, après, les risques, de toute façon, sur les autres vaccins qu'on a, ils sont relativement mineurs. Hein. Après, est-ce qu'on peut mourir d'une vaccination? Oui, sur une réaction allergique, sur un choc anaphylactique, ça peut arriver, ça reste rarissime. Est-ce qu'on peut avoir des effets secondaires? Oui, ça a été décrit. Et c'est quelque chose qui est relativement étudié, surveillé. Il y a des tas d'agences qui le font en France, donc ne vous inquiétez pas, ce sera suivi. Après, est-ce qu'on peut prévoir un cas chez une personne en particulier? Probablement pas, mais oui, il y aura des effets secondaires, et vu que la vaccination va être généralisée et massive, on en verra, c'est certain. Donc après, la question, c'est est-ce qu'on vit avec un risque à 1 sur 1 million ou est-ce qu'on vit avec le risque d'attraper le Covid et avec des conséquences potentiellement graves? Voilà, on en discutera, mais il faut le poser tranquillement, quoi. Effet à long terme du vaccin à ARN. On n'en sait rien. A priori, en fait, là encore, sur la théorie. Aucun. Oui, sur la théorie, il est censé être même moins. Perturbant. Il y a moins de. Ouais. A priori. Donc, Bah oui, ça, honnêtement, bon, là, je vois même pas comment ça pourrait merder, en fait. C'est ça le truc. C'est... Oui, mais après, on ne sait jamais. C'est l'expérimentation au champ large qui va nous permettre de voir s'il y a quelque chose en particulier qui émerge. Mais concrètement, voilà. Et après, il y a un truc. Mais bon, là, c'est un truc de complotiste. Mais de manière générale, l'idée que le gouvernement. Nous cache des trucs et soit s'en fout que le vaccin pose un problème ou quoi, il faut vraiment se dire que là, tout l'intérêt du gouvernement, surtout l'actuel, c'est que l'économie reprenne et donc que les gens aillent bien. Donc clairement, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on balance un truc qui va avoir des effets secondaires ou qui va plomber la population. Donc ils sont clairement en train de surveiller hyper près les essais qui ont lieu et est-ce qu'il y a des effets secondaires ou pas. Enfin, faut vraiment que les politiques, leur but, c'est de se faire réélire. Hein. Se faire réélire et que la thune aille bien, quoi, globalement. Oui. Donc que les gens puissent bosser, que les confinements, ça s'arrête, cette merde maintenant, que tout le monde retourne consommer et travailler. Et voilà. Donc, ils n'ont pas d'intérêt à ce qu'à long terme, on soit autiste ou paraplégique, quoi. Mm. Okay. N'est pas un secteur porteur dans la vaccination. Pas spécialement. Voilà, il n'y a rien qui est sorti vis-à-vis de l'autisme, il n'y a rien qui est sorti vis-à-vis de la SEP, rien. Voilà.
calmez-vous, ça va bien, la vaccination, ça marche, on sait faire, c'est un peu nouveau, on va voir un peu comment ça émerge, mais je vous garantis, et je vous en fais la promesse solennelle à titre personnel, dès qu'un vaccin sort, hein, ah et oui, je pense que aussi. Tout le monde le fait, c'est-à-dire que moi, je veux sortir de ma maison, j'en ai ras le cul, je veux retourner voyager, donc je le fais, dès qu'il y a un vaccin qui sort, je le fais. Je pense que le risque il est très très faible. Bon, moi, je vais vous dire un truc, ma femme et moi, alors que nous avons un petit en bas âge, nous nous sommes portés volontaires pour tester les vaccins. Ah. On s'est inscrit pour tester les vaccins. Bon, ouais, ça se trouve sur Internet, je ne sais plus, mais il y a une machin. Voilà, c'est-à-dire que si j'avais le moindre doute... En fait, je suis même persuadé que je préfère ça pour l'épargner, enfin pour mon fils en fait. Et voilà, je le fais parce que je le fais pour mon fils, pour ma grand-mère, pour mes voisins, pour tout le monde en fait. C'est ah ouais putain. C'est... Mais j'ai hâte de pouvoir reposer mon fils chez la grand-mère. Hein, j'en veux plus. Pardon. Moi, j'aimerais vraiment montrer ma fille, mon père aussi. Ouais, ça serait pas mal. Ouais. Bah oui, je... ouais, ça fait... On est marre. Bah oui. Non, mais, mais oui, on le fera. Je ne pense pas qu'il y ait de problème majeur vis-à-vis de tout ça. S'il y a un truc qui arrive, ben, ce ne sera pas de chance, mais voilà, ça reste quand même rare. Hein. Enfin, concrètement, il faut bien comprendre que vous êtes exposé à 1 million d'antigènes tous les jours, que la plupart du temps, vous en battez les couilles parce que ben, ce n'est pas virulent, ce n'est pas grave. Et que voilà, donc si mais tu apportes grave, un antigène quoi. Supplémentaire... voilà, votre corps le tolérera très bien. Probablement, quand vous coupez en épluchant vos patates, vous êtes exposé à plus d'antigènes que avec n'importe quel vaccin. Ou Mais même quand tu rentres dans une crèche, là, c'est une espèce de bouillon de culture, là. Enfin, concrètement, les gamins, ils passent leur temps à s'échanger des miasmes, à s'échanger leur crotte de nez. Ah, ils sont pas Covid. C'est... Ouais, les crèches, c'est pas Covid. Ah non, c'est pas Covid. Non, c'est pas Covid. Quand tu les chopes, t'es au bord de crever, en plus. C'est ça. D'ailleurs, je m'excuse pour la semaine dernière, j'avais attrapé la virose de bébé. La virose de bébé, c'est mortel pour le pif. Hein. Je ne vous recommande pas. C'est de la merde. Hein. Voilà. Et j'ai fait un test antigénique Covid. Du coup, je l'ai testé pour vous. Hein. La paille dans le pif, tout ça, le test en 15 minutes. Hein. C'est, voilà. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Mais ça fait pas mal. Mais voilà. Donc, 4 sur 10, je ne recommande pas. Mais bon, on le fait. Moi, j'en ai déjà 4, fait 3. Donc, moi, j'ai fait déjà 3 PCR. Donc. Je suis plus à ça après. J'en ai déjà fait 3, donc... Bref, merci. Voilà, ça c'était voilà. La consultation vaccin. Un grand merci merci à vous, parce que vous avez été incroyable. Hein, Pauline, et vous avez été calme merveilleuse, en chat. Mais c'est vrai non. Du coup, j'ai même pas regardé ce qui s'y passait. Non, ils ont été calmes. Ils ont été très très calmes. Ça a été vraiment, vraiment très très bien. Je crois qu'on a banni une personne. J'ai pas d'échelle. J'ai vu une complotiste passer, mais c'est pas grave. Je vois qu'il y a c'est de Brésil, ça c'est bien. hors sujet, mais juste pour montrer que je connais. Mais c'est très bien. Nous apprécions. Tu sais. Bon, bah, écoutez, merci Pauline, merci Bertrand d'être passé. J'ai appris des trucs. Ouais, c'était parfait. Cool. T'étais parfait. Mais nous sommes là pour apprendre des trucs. Moi aussi j'ai appris des trucs parce que elle explique bien en plus, donc. Voilà, et surtout en vaccin, on est nul. Donc, vous aviez beaucoup de questions sur les vaccins. Donc, c'est bon, c'est fait. On n'en parlera plus. On vous fera peut-être un point d'étape, un de ces quatre, mais voilà. Voilà, arrêtez de nous poser des questions à ce sujet-là. Pitié. Voilà, arrêtez. Et voilà. Oui, en fait, c'est là qu'on... C'était incroyable. On se rend compte que l'immunologie, en fait, c'est l'un des trucs principaux qu'il faudrait vulgariser. Et putain, c'est dur. C'est compliqué. Puis en plus, quand tu commences à rentrer dans les détails... C'est un peu comme quand tu commences à détailler des équations de physique quantique, quoi. C'est-à-dire que c'est austère. C'est-à-dire que tu commences à dire, alors oui, le CD37, les populations de lymphocytes T, c'est D4+, mais CD34-, et ben ils sont... Et tu fais, oh là là, qu'est-ce que tu me parles? D'où est-ce que tu viens? Pourquoi? Et en plus, c'est un stack de nœuds, parce que dès que tu commences à expliquer un truc, tu te rends compte que, ah ouais, mais attends, si je veux expliquer ça, il faut que j'explique aussi ça, et si j'explique ça, il faut que je dise ça. Donc, c'est horrible. Moi, j'étais resté au lymphocyte T4. Voilà. Mais c'est très bien. C'est les seuls trucs que... Ouais, et encore, c'est... Moi, j'en étais resté à l'Audi R4. Voilà. Parce que là, ce que l'Audi T4, elle n'est pas terrible, en fait. Voilà. Bien, bien. Et oui, Pauline, c'est la bosse. Oui, ben oui, on le dit. C'est la meilleure d'entre nous. J'arrête pas de le dire. Voilà.
Nous aimons beaucoup Pauline. Gloire à Pauline, gloire à Pauline. Bon, merci. Pauline. Quand on pourra voyager, on se fera d'autres chouilles, ce sera très bien. Mais qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite, Monsieur Primum? Maintenant nous pouvons l'annoncer avec grande. Alors, attention, samedi prochain, à moins qu'il y ait quelque chose qui change, nous n'avons pas de consul de prévu et il faut qu'on voit parce que vu qu'on va commencer à être déconfiné, probablement que le samedi ça va être un petit peu moins propice, vu que les gens vont peut-être avoir envie de faire d'autres choses. Et donc, il faudra voir. Mais lundi soir, 20h30, sur ma chaîne, nous recevons le professeur Gérald Bronner pour parler croyances, épidémies et société au sens large. Et on va parler information, traitement médiatique, tout ça, avec l'un des boss du game, on peut le dire. Hein, c'est-à-dire que si le professeur Costagliola gérait l'épidémio, je pense qu'on peut dire que le professeur Bronner gère largement ce genre de questions. Ça va être épique. Non, mais je vous le dis tout de suite, ça a été épique. On a discuté un petit peu cet après-midi. Ça va être juste incroyable. Il va être passionnant comme d'habitude. Mais là, il va avoir 2 heures pour parler et pas juste 30 minutes sur un plateau avec des contradicteurs. Donc là, ça va vraiment envoyer du très, très sévère. Donc c'est lundi soir, 20h30. Je vais terminer la miniature, tout ça. Je vous fais passer le lien avec la miniature et tout ça demain matin, tranquillement. Partagez autour de vous, faites du bruit parce que ça va vraiment être génial. Venez, mais comme c'est lundi, c'est un peu plus compliqué de faire passer le truc, mais voilà, donc n'hésitez pas. Et évidemment, il sera accompagné de Mandax de la Tronche en Biais. Voilà. Voilà, voilà. Et pour le reste, on verra comment se goupiller le confinement. Comme cette année, vous avez des sacrés invités. Enfin, oui. Cette saison. Cette deuxième saison est épique. Donc voilà. C'est probablement parce que on a commencé à se faire connaître et parce que les gens se rendent compte. Nous, on l'a vu. Moi, je l'ai vu parce que c'est moi qui ai démarché pas mal d'invités. Les gens se sont rendus compte de l'importance de se donner du temps, d'avoir de la vulgarisation et d'avoir des créneaux pour parler. Et donc, en fait, on a des collègues qui on n'aurait pas forcément pu les aborder, qui sont maintenant presque demandeurs, en fait, de ce temps de pouvoir discuter et qui trouvent ça pertinent. Donc, bon, on va pas s'en plaindre. C'est ça. Quand les infectieux se font bâcher sur ces news, ben, au moins, chez nous, ils peuvent parler un petit peu. Et ça, c'est cool. Ça nous fait plaisir. Ouais. Bon, ben, écoutez, c'était très sympa. Nous avons passé un très bon moment. Je vais vous dire au revoir à tous. Merci au public d'avoir été incroyable. Là, on a passé un très bon moment. Oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires très désagréables à la fin de l'émission. Parce que j'en reçois beaucoup. Je me fais insulter, traiter de sale nul. J'adore ça. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la description du calcul. Donc, à vous. Et puis... oui, n'hésite pas. Hein, traite-moi d'affreux, de tout ce que tu veux. Voilà. J'adore toujours. Voilà. Bon, caca. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à très bientôt. Et je vous rappelle que nous n'avons pas parlé de Didier Raoult. Niquez-vous. Bonne journée. Bonne nuit, là, carrément. Bonne nuit, oui. Oui, bonne nuit. Ouais. C'est le week-end. Bon week-end. Bon, allez, je coupe le studio. Allez, bisous, les gens. Cognac G. Ciao, ciao.